bonjour à tous. C'est quoi ton problème? Tu riais ou tu pleurais? Bah, je sais quoi, c'était quoi le truc? C'était quoi la chose en fait? Dis-moi. C'était ton R. Ouais. Sérieusement, c'était ton R à qui. Moi j'ai fait. Oui, bonjour, chers amis, comment vous allez? J'ai deux petits chapeaux de Père Noël. J'ai mon lapin et puis j'ai mon chapineau. Donc tout de suite après, quand je serai un peu fatiguée de ça, je vais changer avec mon petit chapineau. Ah mais en même temps, je peux surcharger, vous savez. Charlie, ça ressemble à un vrai clown de cirque. Mais bon, on va faire comment? Et c'est mon nom qui apparaît à la télé comme ça. Attends, je vais voir. Et ça change. Bonjour, merci d'être là ce matin pour l'émission. Je pense que j'ai perdu ma voix hier. Ouais, c'est normal. J'ai perdu. Non, il n'y a pas le rapport. J'ai arrêté ça. Il y a le rapport. C'est normal. J'ai perdu la voix hier. C'est clair. Oh, alors que j'ai joué ce soir. C'est pas de toute façon, après l'émission, on ira la chercher. J'irai la chercher, ma voix. Et le nom vous accompagnerait pour la chercher, ma voix. Non, c'est là, non. On va plus la chercher, c'est pas grave. Elle a qu'à se reposer. C'est la nouvelle. Des congés de Noël aussi pour l'avoir. Donc, bonjour et merci d'être là à l'émission de ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Vous savez, c'est parti pour pour les fêtes. Généralement, c'est comme ça que le bon Dieu a fait les choses. Il a fait la date exceptionnelle du 21 décembre qui démarre les hostilités de fin d'année. Donc, 21, 22, 23, 24, 25! 26, 27, 28, 29, 30, 31, premier. Tu vas trop vite. Arrivé au 31, tu dois t'arrêter. 30, 31. Arrête-toi sur le 31. Monsieur le ministre, bonjour. Non. L'anniversaire, c'est sur 31. C'est quoi votre programme? Mon programme, c'est le programme de monsieur. Il demande, c'est quoi votre programme, quoi? C'est genre, on dit, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à bien siasser. Faut nous wéler. Ah, oui. Bien siasser, bien vrai, vrai. De vrai siasser. Surtout quand on a la confirmation qui nous suit. Vous n'avez même pas honte. Quelle honte. De demander comme ça, de faire. On ne demande pas. On veut lui faire honneur. Voilà. On veut rehausser sa fête. Le mot est risqué, mais je ne sais pas si c'était à ce niveau. Hein. Risqué, danger, mélanger. Non, mais sérieux. Bon, donc, mais sinon, c'est très sérieux, hein, moi, cher ami. 31 décembre. C'est pas pour rien que c'est 10 jours après moi que vous fêtez votre anniversaire. Donc, moi, hier, j'ai pas fait grand-chose. Champagne, vin, mousseux, foufou, il a dit beaucoup de trucs, mais c'est pas grave, j'avais fait rien. On l'a tout réservé pour le 31. Vous savez, vous voyez, non. Donc, non, il ne m'a pas fait grand-chose, hein. C'est juste ouvrir les portes. Oui. Des murs. Non, je viens s'asseoir seulement. Tu n'as même pas besoin d'envoyer des chauffeurs. Non, mais nous-mêmes, je ne suis pas comme ça d'habitude. C'est l'équipe qui me transforme. Je ah, c'est ça. Ça se voit. Ça se voit. C'est quand on ouais. Est-ce qu'il dit bonjour quand on est venu ici? Et puis il me dit ouais. Bonjour, comment vous allez? Bien, bien. Une folle. Tiens, montrez-moi le style, s'il vous plaît. Il sent Noël de très loin. This is the thing. Oh. Pourquoi me convaincre sur le fion? En plus, la totale. Non, mais là, c'est ton million. C'est ça, je suis en train de tomber amoureuse. Non, attends. Non, sérieux, mets les oreilles de la peur. Non, mais. Pourquoi on ne le voit pas? C'est que jalousie. Tu es en train de tomber. Le caméra du média. Tu es en train de tomber. On ne le voit pas. Tu es en train de tomber amoureuse de lui. Attention, oui. Il faudrait c'est pas que. C'est que tu n'aimes pas ton frère. Si tu l'aimais, tu n'allais pas tomber amoureuse de lui en cette période de fête de fin d'année. Tu veux pas qu'il rentre dans 2020, c'est pourquoi ça pas? Grand frère, bonjour. Ouais, salut, grand frère. Grand frère Lyon, bonjour. Vous allez arrêter de. Bonjour, grand frère. Lui-même, il reconnaît qu'il a un grand frère. À qui il dit bonjour avec respect. Respect. Je mets en plus le. Donc je vous disais qu'il faudra quand même que vous arrêtiez de me pourrir mon business. Vous comprenez? On a appris ça. Eh bien, tout de suite, là, on a plus un programme ensemble. On a fini, franchement. C'est mieux. Alors. Elle annule tout.
Aujourd'hui, vous savez que depuis Eric Bonnet, pour sa rubrique orientation, a choisi pour ce mois de décembre vous présenter des métiers bizarres. Sérieux. Est-ce qu'il y a un adjectif qui n'est pas bizarre dans l'affaire? Non. Bon, je m'en vais vous donner un peu une idée bizarre, du programme de ce jour. Mais je dis que hyper, super, giga, méga bizarre. Et depuis tous les métiers qu'on présente depuis deux semaines, trois semaines, trois semaines, Daniel a trouvé déjà le sien. Ouais. C'est quel métier? Indonésie. C'est en Indonésie. Ça, c'est un vrai métier. Hein. Le troisième passager. Le troisième passager. C'est-à-dire, il y a des secteurs en Indonésie, où, enfin des lieux où tu ne peux pas aller sans que vous ne soyez trois dans votre voiture. Tu peux rouler avec ta voiture avec moins de trois passagers. Trois passagers. Donc, le troisième, on l'engage, on le met dans la voiture, on fait la course avec. Donc, monsieur, madame, avec deux personnes voilà. Veulent sortir. Vous et grand frère, par exemple, vous voulez sortir. Vous me prenez. Donc, je joue là, c'est son rôle. Voilà, c'est mon rôle. Son travail. Je joue et le troisième passager. Tu t'assois dans la voiture. Tranquille, je ne fais rien. Et à la fin de course, on te paye. Vous me déposez là où vous m'avez pris, vous me payez. Tranquille. Ça, c'est mon job. Et il y a d'autres métiers encore. Hein. Le recureur d'oreille, là. Ah, ça, c'est... Il y a quelqu'un qui te paye et puis il te recure l'oreille. Son boulot, c'est ma peau, tout va. Il y a aussi pousseur de train ou un truc comme ça. Oui, là, qui poussait les gens, qui poussait les gens à rentrer dans le train. Pousseur de train. La semaine dernière, il a parlé de trucs bizarres. Il y a celui qui. C'est ce dont il y a celui qui vous active aussi à boire beaucoup. Il vous électrocute. Il envoie l'électrochoc. Il y a l'excuseur de chantier. Bon, lui, il se promène dans les environs pour prendre les excuses du chantier que vraiment, oh là. Ah, mais enlevé, c'est son travail, c'est pas facile. On a des abus. Et puis, il y a le brouillot de plaques d'immatriculation. Oui. Il y a celui-là aussi qui vient t'offrir. Vous faites une queue, je ne sais plus comment il l'appelait, faites une queue derrière, loin. Il prend ta place dans la queue. Mais il prend pas ta place dans la queue, il va te choper une place devant. Il te fait le truc rapidement, je sais plus. Non, mais c'est des métiers authentiques. C'est pas comme si on vous racontait des histoires. Hein. C'est de vrais métiers parce qu'en fait, c'est dans la rubrique orientation qu'on vous propose, qu'on vous présente ça. Et orientation se met sur lui, il se met sur lui, Eric, de nous présenter les métiers du futur. Non, ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup plus d'entrepreneuriat. Les métiers d'aujourd'hui et ici et maintenant. Et parlant des métiers d'avenir et d'ici et de maintenant, et que les métiers, sauver l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir chercher les besoins dans son environnement. Exactement. Et y trouver des réponses. Mmh. Depuis que l'autorité publique a dit que buvez, ne laissez nous la main ou la main, la bouche ne prend le pain. Buvez et restez chez vous. Si vous buvez, l'espace public, là, c'est pas pour vous, la route, la voie publique. Donc, je dis, c'est ça, fait que tu fais le jour là même sur le plateau. On l'a déjà trouvé. Le balade, trouvé l'idée. Bon, c'est une idée, tout le monde sait. Bon, de vous prêter des chauffeurs, Je ne dis pas que de vous prêter des chauffeurs, mais c'est l'idée de vous accompagner. Parce que tellement si en votre vie, il faut que vous soyez en vie, sinon vraiment, vous êtes une ressource chère pour le Togo là. Donc, c'est vrai que si on ne peut pas vous éviter la cirrhose du foie, au moins qu'on vous évite l'accident de route. Mais sérieux, non mais vraiment, mon truc là. Voilà, moi-même, je me fais rire. Moi, on va faire comment? Mais c'est pas grave. Et donc, des chauffeurs, même habillés, éduqués, formés, façon. Patapata, quoi, les gens vont. À vous le verre, à nous le volant. Et quand on met le volant, il y a aussi bien le guidon que le volant. Mais on en parlera. On en parlera. Hein. Mais on va vous déposer chez vous. Voilà, on en parle aussi dans l'émission d'aujourd'hui. On va en parler. On va parler aussi d'un concours d'oratoire pour les jeunes. Et puis, soirée des professeurs leaders. Si tu avais besoin. C'est pas trop. Oui, ben, pourquoi pas. Eux, ils vont avoir besoin de nos services. Oui. Les professeurs leaders là, pour la soirée. Là. À moins que. Mais c'est vrai, mais pour les soirées, tout ça, il faut positionner le chauffeur là. Comment positionner? On n'a qu'à leur dire, on leur dit à l'avance. Mmh. Et puis c'est vrai, on les informe, les organisateurs. Les organisateurs, c'est-à-dire que l'entreprise de chauffeur est partenaire de l'événement. Partenariat de l'événement. Voilà. C'est pas c'est gagnant-gagnant. Hein. Oui, ça c'est clair. On fait partenariat. Partenariat.
Non, mais vraiment, mais cette idée... Le problème, ça va être que si la personne est trop saoulée, qu'il ne peut pas indiquer la maison, c'est là-bas le problème. C'est pourquoi il faut organiser votre tour. Ouais. Il faut, c'est comme les Yobos. Ils organisent les funérailles quand ils sont vivants. C'est pas quand ils sont morts qu'ils vont dire. C'est pas quand ils sont morts qu'ils vont dire, je donne un sacré blanc. Ouais, ça, quand tu es vivant, tu penses sur toi. Tu dis, tu attrapes fort ton cœur comme ça. Et puis tu choisis ton cercueil. C'est pareil, quand tu vas à une fête, tu peux te faire confiance, mais on ne sait jamais. Comme le dirait mon grand-père, on ne sait pas jamais, en aucun cas ou rien. Et les enfants ne disent jamais ça. heureusement, aujourd'hui, elle a oublié un peu sa grand-mère. C'est son grand-père qui va souffrir ce matin. Donc, on ne sait pas jamais, en aucun cas ou rien. Donc, vous dites, ah, on va à une fête. Moi-même, c'est ce que je bois. Mais il arrive des fois, quand le sucre est trop concentré, ça vient, ça saoule les gens. Ça devient de l'alcool. L'alcool, ça fait, c'est avec le sucre qu'on fait l'alcool. Oui, bien sûr, c'est la fermentation et tout. Fermentation. Si entre-temps, ma sucre se fermente, et que si je souffre dans l'appareil, je vais griller l'appareil pour les gens, je vais venir vous chercher. Il faut venir me chercher. Voyons, c'est pas quand tu es sous là. Si on a les diverses options, on va recevoir les organisateurs et bon, les promoteurs de cette start, de cette idée là, ils vont tout nous dire. Et je vous promets qu'ils ont même les chauffeurs Fab quoi. Non, sérieux, je voudrais que la femme vienne, qu'on voit, qu'on met toi la bouche au jeu un peu. Chauffeur chaud, est-ce qu'on va dire chauffeuse ou bien chauffeur? Bon, dans tous les cas, venez. Dans tous les cas, elle chauffe. Patate, non, elle veut venir derrière. Non, mais. Hein? Tu veux rire? Voilà, il faut venir ici, il faut zoomer sur nous. Ouais. Elle fait ouais là, c'est une case quoi. Comme ça là même, ceux qui ne boivent pas vont commencer par. Voilà, je me saoule. Juste après l'émission, je me saoule. Et on fait un essai de trajet. On va filmer tout ça, on va jouer ça au téléphone. Donc comme ça, vous allez conduire les gens pour les amener chez eux. Heureusement qu'ils vont être sous le pied. Il n'y a pas grand risque. Mais j'espère qu'il y a des risques toujours. Hein. Ils se disent sous le bagba tout le monde. À bas la violence. Donc vous conduisez. Donc vous êtes avec le chauffeur. Et lui, c'est la café, on essaie, on va voir. De conduire. On va conduire. Donc, Jean, quelqu'un, je suis sûr d'aller. Est-ce que déjà en amont, quand je vais aller, bon, on va vous poser la question tout de suite. Ça peut se faire aussi, hein. Je ne veux même pas conduire pour aller, je les prends déjà dès la base. Ouais. Bah, si tu moyens, tu peux faire ça comme ça. Parce que je pense que ça va être plus cher. C'est clair. Parce que ça va passer toute la soirée avec toi. Alors que pour l'autre course, on te dépose simplement chez toi et puis on repasse avec quelqu'un d'autre. Mais là, on peut vous appeler, tu dis je vais à une fête. Et puis vous me déposez. Voilà, ici je vous prends, vous me déposez là. Je m'assois comme ça, c'est vous qui allez ouvrir la portière. qui n'est pas comme moi dans l'équipe. Eh oui, je ne suis pas encore présent, je ne peux pas manger un peu d'honneur. Je ne peux pas manger un peu la vie. Les enfants ne disent pas manger la vie, d'accord? Donc je vais m'asseoir. Tu bouffer la vie. Je vais m'asseoir comme ça. Je vais m'asseoir. Et vous dites, madame, faut ouvrir ma porte. C'était comme si j'étais assise. Il faut ouvrir la portière pour me faire sortir et voir. Ouais. Et oui, c'est pas ce que je disais avant. Elle a qu'à faire ici, on va voir. C'est pas essayer à faire. Il y a portière là-bas avant qu'elle ouvre. Maintenant, il ferme la portière et puis conduire, on va voir. Vous voyez les femmes. Ce que je disais depuis, elle refuse. Ben. Pour les filles. Donc c'est. Un des chauffeurs, oui, mais il faut quand même, il faut qu'on trouve un nom pour les femmes aussi, pour pas dire. Donc c'est une chauffeur. C'est une chauffeuse. Ça donne un autre sens là. Allumeuse, chauffeuse, non, pardon. Je peux pas dire chauffeur. Elle est un des chauffeurs. Donc elle est une chauffeur de Allo Chauffeur. Pour vous conduire quand vous êtes. Vous voyez quand vous êtes une personne en 3-4. Quand vous êtes pata. Quand vous êtes mère. Okay, je vous libère. On revient tout de suite sur vous. Vous revenez avec le promoteur. Voilà, sinon les gens ont envie de se soulever en même temps. Cancer du cirrhose du foie. À cause de la fille, vous saoulez. Puis c'est la mort qui vous attend derrière. Mais vous voulez bien toi. Moi-même, je fais ça. Hein. Donc si vous appelez, je vais leur demander si on appelle, on peut demander, je veux une femme ou non. Allô?
je veux un chauffeur, je suis sous, mais de préférence une femme. Toi, tu es sûr que tu es sous. Je crois que les femmes vont vouloir avoir un chauffeur, une chauffeur. Les femmes vont vouloir avoir une femme, puis. Non, bon. Ou mais, que monsieur ne vienne pas sous son nez, qui t'a déposé. Monsieur, t'as les allaités sous le oui. Oh, c'est pas. Non, c'est... On va pas demander allaités. C'est pas forcément sous... parce que on se saoule avant. Vous n'avez pas terminé une bouteille. Une bouteille. Donc c'est genre tu prends une bouteille, tu prends un verre. Résumé. Un verre en même temps tu appelles le service. Oui. Quand le verre est... ouais. Oui, le verre. C'est parce 0, que c'est 0, un 25. Verre de bière. 0,25 centilitres. Et ça, tu as dit qui a fait comme si. Comme si ça n'avait pas. Comme si. Comme si. Risque ta vie et prends un verre au-delà et puis au-delà. Il n'a pas pris le numéro en même temps. Du service. C'est vrai. Donc, hier, comme on buvait le champagne ici, là, comme ça, on devait les appeler ou bien. Ouais, normalement. Regardez-moi, vous. Non, moi, je n'ai pas du quoi. Champagne que vous avez pris, ça n'atteignait même pas le. Il faut souffler dans la machine. Non, ça c'est vrai ce que les gens ont consommé hier, ça là. Oui, il y en a plein qui ont consommé, mais qui ont laissé sur place pour travail. Ouais, donc, après, ça se l'alcool se dissipe et puis vous absorbez ça facilement. Donc on va parler de chauffeur aujourd'hui. Restez avec nous et vous allez découvrir ce service innovant avec. Imaginez moi-même dans cette sape là. Je dis, monsieur, j'ouvre la porte. Installez-vous, monsieur. J'ai fermé les yeux, je suis en train de t'imaginer. Installez-vous, monsieur. Mm-hmm. Attends, il ne faut pas rentrer sur mon dos quand même. Et puis voilà, et puis tu es au volant. Il faut être droit comme ça, hein, parce qu'on a été formé pour ça. Il y a un bon Raoul qui sort. Non, c'est un connaisseur qui parle. Non, c'est un vaut du cœur. C'est un vaut du cœur. Donc, il ne faut pas le charrier pour ça. Il y a une chose, c'est que... Non, on va lui dire, il a qu'à faire ça de ça, parce qu'il va en bas. Il faut savoir le degré de... Oui. On a dit qu'il faut pas, on n'est pas forcément sous. Tu peux être lucide, mais juste que le taux d'alcool dépasse pour que tu puisses prendre le volant. Donc, et donc, tu es droite comme ça. Il n'y a pas de discussion, il ne faut pas discuter avec le mot volant. Hein. Madame, vous êtes belle. Merci, monsieur. Non, pas merci, monsieur, je le sais. Ah oui. C'est comme si elle a commis, mais il faut lui répondre pour qu'il sache que même madame pour Jean, il y a pas de madame, vous êtes mariée là-bas, le réseau flotte, donc on répond pas. Madame, c'est à vous que je parle, monsieur. Nous sommes chez vous dans 15 minutes parce qu'on m'a fait adresser. Il faut que ils ont, je sais qu'ils ont prévu ça. Les adresses GPS d'où vous quittez, ça va décider le trajet sur l'application dans le téléphone pour que le chauffeur puisse suivre le trajet jusqu'à arriver chez vous, etc. Donc, qui vous parle ou pas, vous avez ça sur votre écran et puis vous roulez. C'est ça, on va en parler tout de suite. Restez là-bas avec l'eau dans la bouche. On revient tout de suite en parler. Le temps, vous voulez de faire un saut dans le temps, hein? Oui. Ouais. Non, pas la bouche. On fait un saut dans le temps, on fait un bond dans le temps. On fait un grand bond dans le temps. Et la machine a remonté le temps. La machine a remonté le temps. Et mon test, c'était en quelle période, Yamiliki? C'est 27e siècle avant Jésus-Christ. Souvent, là, moi, je dois poser une question aujourd'hui. Vous savez la question, non? Vous présumez, non? Ah bah, et puis il a dit que voilà, 27e siècle avant Jésus-Christ, là, le gars là, il est. Et puis il a écrit. Les archéologues qui ont travaillé, il y a beaucoup d'écrits, des manuscrits. Ils ont trouvé les écrits. Ils ont écrit avec quel stylo? Manuscrits. Et puis depuis 27e siècle. Vous savez, avec Jean-Paul Lyon qui a fait décrypter l'hiéroglyphe. De ce qui avait. Donc ils ont trouvé que 27e siècle avant, ça va comment dire? 2700 ans avant. Oui. Nous, alors. Oui. Et puis avec les fouilles archéologiques, quand on découvre les choses et qu'on interroge avec la science, on remonte à autour de. Il faut faire le calcul. Hein. Il faut faire 2700 plus 2000. Tu savais, 2770 avant Jésus-Christ. Donc à 2770, et puis à Jésus-Christ, on a recommencé à compter par zéro. Jusqu'aujourd'hui, on est en 2019. Oui. Donc il faut faire 2019 plus 2700. Donc ça fait 4800 et quelques, 819. Et quelqu'un sait qu'il ne m'était pas existé là-bas. Disons approximativement 5000 ans. Donc 5000 ans en arrière. J'étais même pas né. Allez, on va faire hommage, on va rendre hommage
à un grand, un personnage emblématique de l'Égypte antique. Un personnage emblématique de l'Égypte antique. Pourquoi je me mets tout cela là? Parce que tu as fait quelqu'un. Une fois. Une rime, c'est bon. On va faire hommage. Un hommage à un personnage emblématique. Emblématique de l'Égypte antique. Non, ça marche, les. Ça promet. Il s'appelle Imhotep. Il y avait une école qui s'appelait Imhotep, sérieux. Jusqu'à ce qu'on prépare la rubrique, je voyais école Imhotep, Imhotep, mais je ne savais pas que. Je ne me suis pas renseigné. Mon ignorance a été grande. Donc depuis hier, ça c'est le plus. Mon ignorance est le plus. Je connais un monsieur qui a deux enfants. La fille c'est Isis et le garçon c'est Imhotep. Un peu de combien moi. Il y a des origines. Donc lui, tout le monde dit que c'est le nom, un nom africain qui va pas prendre un nom occidental. Français. François comme toi. Oui. Ah, donc la fille, il y a plein de noms Isis et le Isis, ça veut dire comme Isis, c'est, je crois que c'est une déesse de beauté. On va chercher. Ça vient de la déesse de la beauté. C'est pas la femme de. Je sais pas, il faut chercher. Voilà. Et le garçon, c'est Imhotep. J'espère qu'il est intelligent. Et leur tante, c'est Minerve. Bon, donc c'est dans leur famille, ils sont dans les. Oh non, non, donc c'est pas comme si. Bon. Imhotep, il a été considéré vraiment longtemps comme le plus grand savant noir de tous les temps. Et moi, je connais. Eh hey, Dieu, moi, ben, je suis bête des fois. Isis, c'est la déesse de la magie. Ah, tu vois, là, magie même. Sa vie fait magie. Non, oui, c'est pas vrai. C'est un choix. Donc, magie, c'est la sœur d'Osiris. C'est bien. C'est la sœur d'Osiris. C'est bien de parler d'Isis ce matin. Non, c'est le seul patron de magie système. Nous sommes dans une période où la magie de Noël se perd. Oui, c'est une force. Mais j'ai quand même l'impression que la magie de Noël, c'est dans la neige seulement. Au moins, nous, on aurait pu avoir la patin pour. C'est normal, parce que les rois mages, ont reconnu la neige. Tu vois, j'ai comme l'impression que la magie de Noël, donc, il parle là. C'est parce ça, que vraiment, c'est comme si Noël a été reporté quelque part ici, sur Terre. C'est vrai, non? Ah, on ne sait même pas. Parce que voilà, si ce n'est pas nous-mêmes avant de créer nos choses, vous savez que c'est vrai. Non, mais quand même, il y a quand même certaines lumières qui tombent sur les parents, la palette dans certaines rues. Tu fous tout, tu vas boire quand même sur certaines rues, c'est éclairé. Ah! Nous, c'est Noël. Noël n'arrive pas à quartier, en fait. Bon, on a dit que nous sommes dans le processus de décentralisation. Donc, de Noël. Noël aussi est décentralisé. Okay. Non, d'ailleurs, donc, par là, d'Imhotep, en fait. J'ai dit qu'il était longtemps considéré comme le plus grand savant de tous les temps. De tous les temps même. Oui. Même du temps de mon grand-père. Mon grand-père, c'est un père Kabier. Il avait cultivé des ignames, mais ces ignames, c'était robuste comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a des ignames qui portent le nom de Jamie en haut là-bas, dans le pays Kabier. Et même que les gens connaissent ça. Non, même mon grand-père dit que lui, il est savant de tous les temps. Il m'a fait. Oui. Il a fait igname. Non. Non. Il m'a dit des manioc. Imhotep, il fut vizir, oui, architecte. Parce comment on peut être architecte? Vizir, donc premier ministre politique. Oui, premier ministre politique, il est architecte, il est médecin. Oui. En même temps, c'est là, c'est lui, c'est des, on s'en fout, scientifique. Donc, il a. Mais c'est pas la même chose, il y a là quelqu'un qui dessine. Architecte et médecin et philosophe et poète. Quel type de médecin? Chirurgien? C'est chirurgien. Oui, ouais. Il a écrit les bases de la médecine. Il a installé la base de la médecine. Même Hippocrate de Cos, qui est aujourd'hui reconnu comme le papa de la médecine, a appris dans un temple d'Imhotep la médecine. Donc la médecine a migré d'Égypte pour la Grèce antique. Tout a migré. Il y a des temples où on enseignait. Donc c'était un mélange de religion et de science en même temps. La médecine. Même le signe que vous voyez, le serpent qui s'enroulait, ouais. C'est un genre de mythe de Dieu qui était sacralisé dans ces temples-là. Donc, quand vous lisez, vous allez voir finalement que c'était pas lui, c'était pas celui qu'on connaît, l'Hippocrate qui était derrière tout ce qu'on a comme médecine. C'est vrai qu'après lui, à l'époque d'Hippocrate, il y a eu beaucoup d'évolution. Mais avant lui, il y a Imhotep qui a travaillé sur la médecine. Bon, Imhotep a fait, c'est ce que je dis là, l'Afrique. On invente les choses.
on invente, on pose les bases, on découvre, puis on laisse comme ça. On ne l'améliore pas, on n'actualise pas. Et puis il y a des Algériens qui sont très malins, ils ont la peau claire. Ils viennent, ils prennent ce qu'on a inventé là. Ils vont mettre une, deux artifices et puis un artifice. Non, c'est pas une artifice. Ils mettent un, deux artifices et puis bam, bam. Ils vont rester comme oh, blanc créé, feu rouge. Ça me boca créé, feu rouge. Oh, blanc créé, écriture. Ça me boca créé, écriture. Oh, blanc créé. Et puis on est là et puis nous-mêmes, on reprend. On reprend et puis on applaudit. Ce que nous on a créé, ils ont pris, ils ont façonné. On est là, on est content. Et puis c'est juste pour à ce jour. Ouais, ouais, ouais. Non, mais quand même, ils savent que c'est Imhotep est le père de. Oui, oui. Mais s'ils savent, ils vont te dire. Oui. Ils savent, ils m'ont été bah, le problème, c'est que vous avez été colonisé. Donc quand ils viennent, ils vous enseignent ce que. Ça doit pas être le serment d'Hippocrate. Le serment d'Idée. Ça doit être le serment d'Hippocrate qu'on vous a enseigné. C'est seulement d'Imhotep, c'est seulement. Selon l'éducation, la science que l'Occident nous a légué. De par la colonisation, on nous a enseigné que c'est seulement d'Hippocrate et on tout le dit chaque jour. Ça se résume en une citation. Tant que l'histoire de la chasse serait écrite par les chasseurs, le gibier n'aura jamais raison. Ça, c'est vrai. Terminé. Donc, on dit que ce monsieur était vizir, architecte, philosophe, médecin et poète. Oui. Bon, ses origines, parlez-nous-en, les origines de l'existence. C'est très compliqué, il y a plusieurs écrits. Bah, c'est le 8 siècle, mais c'est très compliqué, mais on a retrouvé des papyrus et de certaines inscriptions en hiéroglyphe qui démontrent qu'il avait vraiment existé. Et il est né autour de 1446 de l'ère africaine, donc, soit 2770 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est Imhotep. Son nom, ça veut dire celui qui vient avec la paix. Voilà. Ah ouais? Voilà. Hotep veut dire la paix. Imhotep, il vient avec la paix. Ça, c'est un nom qui va nous intéresser. Voilà. Imhotep, donc, il vient avec la paix. Il est un scientifique. Qui va monter un projet comme ça, projet Imhotep, ouais. Pour la paix, pour même les autres. C'est comme ça que tu dis nos projets. Les gens volent ça. Faut te taire. Il en vient à voler. Je n'ai rien dit. On va la bâillonner un jour ici. Projet Imhotep, si quelqu'un. Si on passe en ville là. Je vais mal même. Je vais prendre la galaxie à tout. C'est le projet de PND ça. Faut te taire. Je me tais. Alors. Projet Imhotep pour la. On te dit de te taire. Miss. Donc, Imhotep qui veut dire il vient avec la paix. Il naît à Mennaforé. Alors, Mennaforé était une ville appelée aujourd'hui Memphis. Alors, Memphis, plus tard par les Grecs, quoi. C'est les Grecs qui appellent cette ville-là, qui en vérité veut dire, signifiait où s'appelait Mennaforé. Mennaforé. Les Grecs l'ont appelé Memphis. Parce que Memphis, c'était plus facile. Voilà, c'était comme Anécho, Aného, voilà, etc. Donc, l'habitude, il est en train de vivre. Il était né là-bas et il a vécu là-bas. C'est là qu'il a développé tout ce qu'il avait comme. Donc, il était un scientifique pluridisciplinaire. Il maîtrisait la religion. Donc, d'abord, ensuite l'astronomie et tout ce qui va avec. Il a. Ils apprennent seulement. Canofère. Donc, Canofère, c'est son père, et sa mère, c'est Crédouane, qui est une dame qui maîtrisait beaucoup la religion, la magie, tout ce qui va avec. Voilà, donc, voilà à peu près côté biologie de. Donc, il avait aussi une famille, il avait un enfant, donc il avait construit autour de lui tout ce qui avait. Il était humain, il n'était pas un dieu, mais vu la science qu'il va développer, tout ce qu'il va faire, à la fin de sa vie, il va être déisé. Il devient un dieu qu'on va adorer avec des temples. Ah ouais, c'est arrivé là-bas. Voilà. Ah voilà, il mettait. C'est ça lui. Alors, bon, toute la médecine. D'abord, à 9 ans, à 9 ans, il commence son initiation auprès d'un prêtre à Mennaforé. Alors, vers 18 ans, il est mature et possède beaucoup de sciences et de légendes. Alors, il a parti de cette localité pour aller vers une localité où il y avait un dieu, une divinité qui s'appelait Ptah, une divinité de la connaissance, de maîtrise, de la science. Donc, il va être la personne qui va maîtriser cette divinité-là. On dit que c'est de par cette divinité qu'il va avoir cette science qu'il a, ce génie qu'il va avoir pour travailler sur plusieurs aspects, plusieurs disciplines scientifiques par la suite.
C'est clair. Donc aujourd'hui, toute la maîtrise scientifique du MOTEP est documentée comme venant de la nécessité de construire des pyramides. Voilà. C'est-à-dire qu'il en est pour beaucoup. Oui. Dans la construction de ces pyramides. Oui, c'est lui qui a fait venir la construction de pyramides. Parce qu'avant lui, les Égyptiens, ils adoraient leur président, le pharaon. C'était pratiquement un dieu. Vous pouvez pas. Et donc, comme ça, il meurt pas, mais c'est comme si il va à une seconde vie. Donc, il faut bien l'enterrer. Il faut l'accompagner, l'installer pour ça. Donc, on les enterrait dans un genre, une espèce de case qu'ils construisaient, qui n'était pas pour Imhotep très bien. Et c'est lui qui va faire venir l'idée de créer des pyramides. Comme ça, en cône, comme ça. Voilà, en cône. Maintenant, est-ce qu'on dit où l'idée est double, c'est-à-dire comment il a pensé, pourquoi il a pensé à ça? Non. C'est un génie, c'est un génie. Il a réformé l'architecture de l'époque, il fait venir de nouveaux matériels, les pierres. Donc il faut d'abord les tailler. Pour construire une pyramide, il faut maîtriser la mathématique, il faut les poulies, les palans, il faut déplacer des tonnes de... Et je vous dis, aujourd'hui, la gigantesque de architecturale de d'Imhotep est inégalée parce que tous les scientifiques qui ont travaillé sur les pyramides sont unanimes. Impossible aujourd'hui avec la science qu'on a aujourd'hui de reconstruire. De reconstruire une pyramide parce que sinon depuis là, pourquoi on n'a plus de reconstruire une pyramide? C'est impossible et c'est là qu'on s'est dit... À cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur et tout ça. Il n'y avait pas d'ordinateur, mais... Et puis des grues, il n'y avait pas de grues. La justesse... On taille de grosses pierres, il fallait les déplacer, mais il faut les mettre avec beaucoup de justesse. Et ça, par des milliers d'années, aujourd'hui, ces pyramides existent toujours encore. Et donc, c'est derrière ça qu'on a vu comment est-ce qu'il est arrivé, d'abord par la mathématique, en maîtrisant le nom pi. Pi, dont on a fait la petite histoire. Sans la maîtrise de pi, c'était impossible de construire les pyramides. C'est clair. Donc, il y avait des théorèmes de mathématiques qu'il utilisait. Et c'est là que les Grecs, par Archimède et tout ce qui vont venir vers l'Égypte, les Grecs vont venir en Égypte antique apprendre cette science-là. Pythagore même est venu s'inspirer en Égypte antique et puis aujourd'hui on apprend le théorème de Pythagore. Voilà. Théorème de Plagigore. Tout ce qui va avec. Voilà. Donc d'abord il fallait maîtriser la mathématique. D'abord et ensuite l'astronomie. L'astronomie pour savoir la disposition des étoiles et tout dans le ciel. Paraît-il que les pyramides sont construites de sorte que c'est en lien avec les étoiles, les constellations. Oui. Et il a travaillé sur ça. Donc ça avait déjà deux sciences. L'astronomie, qui est liée un peu à la religion. Ensuite, la mathématique. Ensuite, maintenant, la physique qu'il fallait maîtriser pour construire d'abord la physique et la chimie. Pour conserver le corps des pharaons. Et aussi, derrière ça, quand on va arriver à la médecine, vous allez voir que quand on disséquait les personnes pour les momifier, donc c'est une manière de maîtriser les organes, de fouiller le corps pour voir si c'est comment... Voilà. La machine humaine. Le fonctionnement du corps et tout. Donc c'est ça. En plus de ça, il avait maîtrisé la biologie. La biologie qu'il maîtrisait. Il part de là, c'est là qu'on va rentrer maintenant en médecine véritablement. Et c'est là qu'il va, à travers les temples, travailler sur le corps, guérir les maladies qu'il y avait à l'époque. On a parlé ici de. Quand on parlait de. On a parlé d'un sujet ici lié. Lié à quoi? On a fait une petite histoire, c'était avec Daniel. On a parlé de sujet dans cette émission. Du savon. Ok. On avait parlé de la petite histoire du savon. Okay. Où on a dit qu'avec la graisse animale et de la soupe dedans, avec l'oxydation du Nil, on crée du savon pour guérir certaines maladies cutanées. Non, c'est lui. Voilà, ça a commencé par là, avec cette science-là, et qui a permis à l'Égypte antique de... Non, il était dermatologue à la base. C'est un mélange de tout. Est-ce qu'il a une vie finalement? Parce que... Oui, vraiment. Avec tout ce qui... Avec tout ce qu'il a, il a un enfant. Oui. Il est arrivé à avoir un enfant. Ça, c'est le plus gros exploit qu'il ait fait sur Terre. Par exemple, en physique, notamment, il fallait maîtriser la notion de poids.
la notion de masse, les poulies qui vont transporter les pierres. Les blocs, les tonnes de blocs de pierre qu'il fallait avoir, donc il ne fallait pas déposer comme il fallait déposer. En mathématiques, on l'a dit, il fallait maîtriser les théorèmes scientifiques, le monde pi et qui va avec. En astronomie, les constellations, l'ajustement, les saisons et tout ce qui va avec. Et voilà. C'est si je dis que c'est une encyclopédie, même je l'ai dévalorisé. Il est complet. Ouais. Et puis il est noir. Ouais. Quand je suis venu ce matin, j'ai dit à Léon, on ne pouvait pas faire, il me tape en une seule émission. En une seule émission. Et moi, je convie les gens d'aller lire. C'est clair. Puisque, vous allez faire ça. Alors, parce qu'en fait, qu'il était poète aussi. Il est poète. Oui, il est poète, il m'a mis ça. On a trouvé de manuscrits, de choses, de papyrus, de manuscrits qui étaient là. Ah ouais. À ses opères, lui, il écrivait. Il avait écrit sur beaucoup de choses. Voilà. C'était moi, sa femme, elle est vraiment passante. Est-ce qu'il a femme? C'est pas parce que tu as femme. À l'époque, on n'adopte pas. Non, c'est pas que tu adoptes. Mais un cul isolé n'a pas à arrêter le combat. Ah oui, c'est pas faux. Puis c'est beau. C'est pas faux. Il me tape aujourd'hui, on peut dire valablement qu'il a laissé un gros héritage à la civilisation mondiale. Non, je reformule la phrase. Non, ce noir d'Égypte-là, il a laissé un gigantesque héritage à la civilisation mondiale. Voilà. D'abord, il va laisser d'abord la première école de médecine. Amène la forêt. C'était un mélange de pratiques religieuses et spirituelles et la guérison. Parce qu'il était le médecin principal des pharaons. Donc le pharaon malade, c'est lui qu'on appelle, il vient. Il conçoit tout, voici c'est spirituel. Ou c'est physique. Vous allez trouver une solution physique. Donc il y avait la quantique, la médecine quantique existait donc depuis je me dis. Surtout, c'est spirituel. Donc il trouvait des solutions. Et donc il va laisser à travers ce temple-là. Un genre d'école qui va exister en médecine. Et c'est après quand il va naître un jour que Hippocrate va venir à l'école là. Oui. Et puis on va dire que c'est lui qui est le père de la médecine. Il fallait organiser et la médecine, donc l'ordre des médecins. Donc standardiser les pratiques. Si la personne est malade, il faut aller ça, à ça, à ça, à ça. Et qui a fait ça? Lui. Il ne montait pas. Oui. Il fallait standardiser les choses pour savoir si la personne a mal à la tête, on commence par quoi, pour arriver à quoi. Que si la personne vient à l'hôpital, il faut prendre les constantes. Poids, oui. Température, pression, si elle a cette maladie, il faut commencer par ici, il faut faire signer, bien sûr. Voilà. Peut-être que ce n'est pas juste comme aujourd'hui avec des tensions. Oui, mais c'est une certaine... Il fallait modifier la médecine. On sait que tu es médecin, tu le pratiques comme ça, selon les règles telles. Donc, c'est un genre d'ordre qu'on vient d'initier avec lui. Ensuite, il va laisser autour de nous le gigantisme de l'humain. Parce qu'avant lui, on n'a pas pensé à ce que l'homme pouvait construire des trucs gigantesques. Aujourd'hui, on a des immeubles, des étages. C'est parce que les humains ont vu des pyramides et ils ont compris qu'on peut construire plus grand, plus immense. Il y a aussi des écrits qui disent que c'est à partir de lui, il y a eu quelques noirs égyptiens, des Nubiens qui ont pris des bateaux et qui ont rejoint l'Amérique. Et c'est là que vous voyez que les civilisations mayas et tout ce qui va avec eux aussi, ils ont eu des pyramides, de construire des immeubles identiques, pratiquement comme en Égypte. Paraît-il que c'est des gens qui ont quitté l'Égypte pour aller. Il y a certains écrits qui disent, mais c'est un peu controversé. Mais donc, c'est une manière de aussi, comme on l'a dit, que la civilisation humaine a toujours reçu de l'Égypte à travers les mayas. Qu'on a vu. Voilà. C'est clair. Top. Imhotep. Ça me donne des idées pour mon futur prochain. Que ce soit garçon ou fille, je vais l'appeler Imhotep. Ouais. Celui qui amène la passe. Paix. Ouais, ça passe. Tu vois, ça me donne tellement d'idées. Oh, mais c'est compliqué. Et donc, parlant d'école, Imhotep et compagnie, je pense qu'on va faire la rubrique orientation à l'enfant. Et le nom, je n'aime pas ça. Orientation tout de suite. Salut, grand frère. Salut, ton frère. Non, sérieux. Juste le nom Imhotep, ça me donne des idées.
met en photo. Le Père Noël n'a pas de traîneau. Le fond de l'air est bien trop chaud. Ici les portes sont toujours ouvertes. On peut rentrer dans toutes les maisons. Et pour partager nos chansons, on n'a pas besoin d'invitation. À vous. Merci de toutes vos réactions que vous envoyez depuis le Monrovia, depuis les États-Unis, depuis la France et de partout dans le Togo et au Togo précisément. Merci à vous de vous souhaiter une bonne émission, un joyeux Noël et puis de dire Daniel ressemble vraiment à un lièvre. Il n'a pas dit lapin. Hein. Même étoile. Non, pardon, faut pas dire comment il est sans pardon. Après, avec. Non, moi je le dis, après je vais gérer le cas. Non, je le dis à lui là. Faut pas dire comment je le sens. Faut pas dire. Non, après, je vais gérer son cas. Eh oui, merci de nous suivre. Ngaïnga, tu veux que je te mette tes oreilles, oui. Parce qu'on a dit que quelqu'un est sans malien. Il a peur. Non, tu ne peux pas savoir ce à quoi tu le sens. Pourquoi je vois ça d'ici? Non, mais. Voilà, mais, c'est des pires ones ça. Ouais, il est question. On ne dit pas ça, les enfants, on ne dit jamais ça. On ne dit jamais ça. Bon, ça dépend des métiers. Bon, les métiers dont il va te dire. Voilà, voilà. Il faut se mettre dans la peau. Du métier. Non, dans la peau du moment. Voilà. Alors, faut mettre ça. Personne n'a jamais poussé à rester sur le coup. C'est pour traumatiser les enfants, ça. Non, mais. C'est pour ça aussi. Nous parlons ici de métiers bizarres. Nous parlons ici d'un métier, là je ne sais pas trop ce que. Bon, déjà au départ, tu étais un lièvre. Là où on va. Là c'est encore. Les pires. Les pires. La liste des choses qu'on ne dit pas, elle s'allonge. Elle s'allonge, et comment qu'elle s'allonge? Non mais sérieux, vous nous traumatisez depuis 3 semaines avec votre histoire de métier bizarre. L'objectif il est simple. Je n'avais pas de répéter, vous savez, il y a beaucoup qui pensent qu'il y a des sous-métiers, il y a beaucoup qui pensent qu'il y a des métiers dont il faut se moquer systématiquement. Non mais c'est il y a certains métiers là-bas. Mais dites-vous que ailleurs sous d'autres cieux, il y a des choses qui se font qui vous font aimer ce que vous faites, qui vous font respecter ce que l'autre fait à côté. Parce que quand vous imaginez qu'il y a des gens qui sont payés pour recurer les oreilles, pour sentir les essais des gens, est-ce qu'on... C'est quel travail ça? Recureur d'oreilles. Hein? Donc toi tu es là et puis dis... Et puis j'appelle. Pardon, venez me recurer l'oreille. Je vous ai déjà fait ça, non? De toute façon, c'est doux quoi. Bon, alors, est celui qui... Et tu fais ça? Est celui qui... J'ai appelé quelqu'un pour me faire ça. Et celui qui est payé pour être assis dans la voiture parce qu'il... C'est faut... ça, c'est ça. Ça, c'est moi. C'est ça, c'est mon préféré. Alors, aujourd'hui, on continue notre voyage, on va en Chine où, sur votre CV, si vous êtes blanc, vous trouverez du travail. Vous trouverez un certain type de travail qui est très bien payé. Si vous avez la peau blanche. Si vous avez la peau blanche. Comme les Chinois. Non. Eux, ils sont jaunes. Eux, ils sont jaunes, mais il faut un blanc de type, comment ils appellent, caucasien, c'est ça? Caucasien. Voilà. Un Yovo genre d'Europe. Les seules caractéristiques sur le CV pour que vous soyez bien payé, c'est d'être de type caucasien blanc. Parce que cela s'appelle un blanc de service. J'imagine le travail. Hein? Non, le blanc de service. Le poste, c'est ça quoi. Voilà, le blanc de service. En Chine, il y a de ces entreprises qui sont prêtes à tout pour avoir cette renommée internationale. Mais qui fait les blancs qui travaillent chez eux? Pour être classé dans les entreprises qui ont cette envergure internationale. Voilà, lors des réunions, lors des événements, partout où il faut montrer le personnel, il y a un blanc dans l'équipe. J'espère qu'ils ne vont pas créer de blanc, non? Je ne sais pas s'ils vont créer. Capables, hein? Je sais pas s'ils vont créer. Mais même s'ils en créent là, il faut qu'on arrête les petits yeux à la taille. Même s'il n'a pas vraiment les compétences. On veut pas savoir s'il a des compétences. Il faut juste qu'il apparaisse dans l'équipe. On sait qu'il est blanc et il est dans l'équipe. Il est là, à ne rien foutre, mais lui, il est là juste pour s'élever. Il est payé pour ça. Pour être dans le service. Ouais, il s'affiche. Genre, on te recrute parce que tu es blanc. Il faut que la fille s'affiche. Non. Regardez ça.
Wow. Donc c'est un bloc de service en Chine. C'est comme si ici, bon, on recrute quelqu'un de qui a la peau un peu plus claire que nous. Mmh. Voilà, pour paraître dans l'équipe. C'est la diversité, quoi. Donc le gentle Luna, c'est pas. Alors, de la Chine, allons au Vietnam. Non, mais c'est quoi ce délire là? Ben oui, ce sont des métiers qui existent. Et ce que je rappelle, c'est que c'est des gens qui sont payés. Je crois que quand tu sais que tu as cette peau blanche là, tu vas te vendre cher. Les Chinois, les Asiatiques, vous savez qu'ils se dépigmentent. Quand je faisais mon travail sur la dépigmentation de la peau, ils se dépigmentent la peau aussi. Hein. Mmh. Ah, bah oui, ils se dépigmentent beaucoup la peau. Mais s'ils ne trompent pas, c'est les yeux, la taille. Ils ne peuvent jamais être. Ils se dépigmentent la peau aussi pour être blancs. Ils sont jaunes là-bas. Ils se dépigmentent la peau. C'est un phénomène qui a de l'ampleur également chez les Asiatiques. Bon, le complexe, il est partout. Alors, le blanc était très fort. Nous continuons notre tour. Nous allons au Vietnam. Au Vietnam, il y a un métier qui est très simple, qui s'appelle simplement transporteur d'enfants. Mais attention, ne vous y trompez pas. Dans des villages là-bas, où se rendent à l'école, les enfants doivent traverser des rivières. Et il y a des rivières sur lesquelles il n'y a pas de pont et pas de quai. Merci. Et donc, le transporteur d'enfants, sur le coup, c'est celui-là qui enferme les enfants dans des sacs plastiques étanches pour traverser la rivière. Parce qu'il ne va pas les transporter. Donc, il les enferme dans des sacs plastiques étanches et bon, on les pousse. Il ne respire pas. Bon, c'est vrai que j'ai pas très bien vu comment est-ce que les risques de la chose, mais. Donc ils le mettent dans les sacs plastiques. Ça, c'est pour sur l'eau. Les sachets plastiques. Il y a une usine qui fabrique les sacs pour faire ça ou bien c'est. S'il y a une usine qui fabrique les sacs, dans les sachets. Ça construit un pont. Donc c'est suivant. Non, c'est suivant des. Le système B. C'est de la récup. C'est de la récup. Et puis bon, allez, on y va comme on peut. En Thaïlande. Au Vietnam. Je pense que peut-être il y aura un petit trou quelque part pour permettre la respiration. On va ramasser tout l'eau, mais on va vers le trou. Je crois que ça ne va pas durer. Non, c'est un enfant passant. Quelques minutes, oui, non. Souvent, c'est en saison de crue. Oui. C'est un enfant passant. Ça, forcément. Ou bien on parle de zéro. Lors de la fermeture, il y aura de l'air qui va rester en nous. Ça ne va pas durer. Donc, faut pas être claustrophobe dans l'affaire là. En même temps, s'ils sont plusieurs, si jamais quelqu'un fait un certain mouvement. Oui. C'est ça, il dit que s'ils sont plusieurs, on va ramasser tout le nez, on va déposer à un endroit et puis c'est comment. Alors, continuons, nous allons en Israël. Transporteur d'enfants. Ben oui. Nous allons en Israël où nous avons un métier ici qui a un nom, j'espère que je prononce bien, coucou à tous les juifs de l'Ouest. C'est vrai. Chabos Goy. Non, mais il n'y a pas de filmé, on va vous envoyer l'image, vous allez nous envoyer ça. Ah. Et le nom envoie l'image à filmer. Bon, ok. Non, mais là, sérieux, hein. Oui. C'est attaché complètement. Oui. Et puis, on met sur l'eau. C'est l'air qui est resté devant que la personne. Bon, en même temps, il faut se dire que la traversée ne va pas durer tout le jour. En tout cas, moi, je ne peux pas. Même pour deux secondes, je ne peux pas. C'est ça. Je ne peux pas. Maintenant, si jamais il y a un enfant qui est claustrophobe, asthmatique ou quoi que ce soit, bon, ben. Ça ne va pas durer. C'est un risque. Est-ce que ça fait rien? C'est une question d'habitude. Je dis, moi, quand je dois enlever ma chemise ou bien ma robe à la tête et que ça coince pour 3 secondes, c'est-à-dire que je ne sais pas comment j'arrive à ne pas m'évanouir. Je dis, imaginez ça seulement. Et venez me dire que déjà que je vais me voir rentrer dans. Déjà, je vais voir le sac moi-même. Quoi. Je vais être asphyxié en voyant le sac. Et on va me prendre, on va me déposer dans le sac. Bon, en même temps. Bon, en fait, il c'est lui qui tient le sachet, hein. Il tient le sachet, il reste dans l'eau avec les enfants. En même temps, si tu ne peux pas. Si tu n'es pas obligé, moi. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas à l'école. Tu non, l'école, c'est bon. C'est un peu un bon prétexte. Alors, on va en Israël, pendant que. On va nous en parler. On va en Israël, où on parle des Shabbos Goy. Alors, Goy, chez les juifs, signifie non-juif. Goy signifie non-juif. Et donc, le Shabbos Goy, c'est une personne qui est payée. Qui est sollicité par la communauté juive le jour du Shabbat pour les travaux que ne pourront pas faire. Et il est payé pour ça.
Donc lui là, l'enfer n'est pas, lui... Oui, l'enfer n'est pas... Lui, il est déjà inscrit sur la liste du paradis en rendant service à ceux qui iront aussi voir. Non, lui il pêche le jour du Shabbat. Puisqu'on a dit de ne pas travailler le jour du Shabbat. Lui, il n'est pas juif. Donc le Shabbat, vous ne le concernez pas. Non, ça dit Jean, moi je suis... C'est un peu... Je suis d'une religion qui me disent que je ne dois pas boire de l'alcool, par exemple. D'accord. Et puis j'ouvre un bar, je vends de l'alcool aux autres. Et puis je vais aller au paradis. A priori. D'accord. Il y a une chose que je veux comprendre. Normalement, le Shabbat, on ne fait pas faire aussi le travail à ses ouvriers, normalement, non? Qui sont juifs? À ses ouvriers. Si la personne n'est pas juive. Mais les non-juifs. À nous aller. On n'essaie même pas de les convertir pour venir avec vous pour le paradis. Quand ils ne sont pas convertis, ça nous arrange. Restez là. Et puis surtout, ils ont payé pour ça. Ouais, je les paie, pour rester dans ce que nous-mêmes nous appelons péché. Parce que travailler le jour du sabbat, c'est le péché. Donc je les paie pour qu'ils restent dans le péché. Là. Donc c'est les chambres. Non, en fait, c'est comme le Jésus des Juifs le jour-là. Jésus a pris le péché pour nous. Donc eux, ils paient le péché. Des Juifs. Bon, c'est une manière de voir, c'est pas moi, c'est toi qui vois les choses. Alors, continue. Et donc, il y a des gens, comme... non, c'est un boulot. Ouais. C'est un boulot qui est payé, ils sont payés pour ça. Bon, quand tu connais des juifs, autant ne pas être juif, quoi. Voilà. Pour être sûr de gagner de l'argent. Sûr de gagner de l'argent, surtout ceux qui ont l'argent. Il faut dire, si tu es juif, tu gagnes plus encore que quand tu veux l'argent. Et puis ça va payer très cher. Ça va très bien payer. Ils n'ont pas le choix. Vous me demandez un service, je me dis c'est forcément. C'est pas aussi cher que si tu es juif, vraiment. Je ne sais pas, là, ils attirent l'argent, ils attirent la richesse et la prospérité d'une façon. On a qu'à être juif. Alors, au Portugal, nous avons un métier qui s'appelle attrapeur de taureaux. Alors, vous savez que chez corrida de taureaux, ils ont les corridas. Maintenant, la différence, c'est que la corrida espagnole finit avec la mort du taureau. Alors qu'en Portugal, le taureau, il ne meurt pas. Ok, maintenant il faut le laisser. Maintenant, quand ça finit, avec tout ce qu'ils ont fait, le taureau il est super énervé. Voilà. Maintenant il faut arriver non seulement à le calmer, à le maîtriser, mais ensuite à le ramener au bercail. Mais il y a quelqu'un qui. Ceux-là sont payés pour ça. Il y a un suicidaire. les kamikazes, c'est pas qu'au Japon. C'est des kamikazes. Ah ouais? Ah ouais. Il va être. Je ne sais pas trop si le muscle le fera, mais je pense que la course de vitesse, c'est beaucoup plus utile. La technique. Attrapeur de taureau. Sur le taureau, même. Il faut aller le maîtriser, le calmer, le ramener. En tant que taureau, c'est pas genre, allez, fou, coucher, on y va. C'est comme la stratégie dont nous a parlé le maître de Boulogne. Agudo, je ne sais plus, le maître de judo là. Ah, oui, c'est un de la force, pas forcément de l'adversaire. C'est un animal. C'est un animal. Non, c'est pas un animal, c'est un taureau. Différence de taille. Parce que même le chat était un animal, le chien aussi. Donc arrêtez de me dire le taureau est dans son boudou-boudou. Et toi, si tu viens avec boudou-boudou. On a les images de. Bon, filmez. Le porteur d'enfant. Dans sa chair. Pas sachet. C'est pas sachet. Transporteur. C'est sac plastique étanche, s'il vous plaît. Et puis il y a le mot avec. Mais c'est quand vous voulez, vous envoyez ça, c'est quand vous voulez. Les vieux choses scrollées sur le bas. C'est ça, c'est son sac, c'est ça. Vous savez transporter dans le présume. Pas là, placé dans le sac. Il est dans le sac étanche. Ah oui, c'est tout devenu quelqu'un. Apparemment, le sac est conçu pour ça. Et voilà, maintenant. Quel sac? Tu ne peux pas prendre un sac. C'est juste un sachet. Normal. Et il a bien attaché le. Bon, avec l'aide de la poussée d'Archimède. C'est pas une affaire de noyade, c'est une affaire de respirer. Voilà, Il y a l'air dedans. Il suffit juste, quand tu es tranquille, tu ne consommes pas assez. Tu as un volume. C'est comme être enfermé dans un ascenseur. Je ne peux pas. Moi, je suis content de savoir, d'avoir des astuces pour que. Tu viens de voir un conseil. Regardez ça, vous dites, comment je vais pas vous faire. Ça, c'est lundi matin. Mais le gars, la seule conseil pour seulement, c'est fini. Non, c'est le genre qui va corrompre les gens pour qu'on ne construise pas pour.
Bon, alors, on continue. On continue. Il reste encore deux métiers. Non, mais il y en a de ces métiers bizarres. Il reste deux métiers. Un qui est super sympa et l'autre qui est à l'opposé du sympa. Ah, ça, je vous dis. On commence avec le sympa. Le sympa. Ambassadeur whisky. Quoi? Ambassadeur whisky. Ça veut dire quoi? Whisky. Alors, le monsieur s'appelle Jérémy Bell. Uh-huh. Il est le seul au monde, le seul employé à exercer ce métier. Alors, tenez-vous bien. Il est payé. Il est payé pour boire le whisky, pour en parler et dire que c'est bon. Ah, oui. Ah, il aura besoin de allô chauffeur. Non, attendez. Parce qu'il faut faire la différence. Il y a les stars qui vendent leur image, qui collent leur image à une marque, mais qui ne sont pas obligés de boire, ils sont obligés de consommer le produit. Ah, lui, consomme. Lui, il est payé pour boire le whisky. En parler, dire aux gens que le whisky est bon. Il a une bonne assurance maladie. Non, son salaire devrait. Non, mais il a un super salaire en tout cas. Il est le seul au monde. Non, il passe à le groupe la vitesse. Jérémy Bell. En fait, je suis Jérémy Bell. Jérémy. Il faut voir à quoi il ressemble pour la table de ça. Non, il doit avoir une bonne assurance maladie. Non, moi je veux voir sa tranche. Ça doit être, je sens un poivron. Ah oui, ah le seul oui. Au monde. Hein. Ah, le seul au monde, il a fait ce métier. Mais je sais, c'est un métier, il va avoir de la concurrence. Très bien. C'est un métier qui va plaire aux gens. Hein. Ah ouais. Il y en a. Il n'y a pas un ambassadeur de la vodka. Je ne sais pas. Jusqu'à là, c'est pas encore le père. Ne suivez aucun de mes regards. Il y en a, mais c'est juste qu'on n'a pas. Ne suivez aucun de mes regards. On n'a pas encore officialisé. Mais dans les brasseries, il y a des gens comme ça. Qui, après avoir brassé, ils boivent. Mais pour savoir si c'est bien fait. C'est des goûteurs. C'est clair. Il fait un test. Celui-ci, le truc est déjà en vente. La marque est déjà là. Tout est déjà là. Maintenant, lui, il boit comme il veut. Mais je dois boire devant toi. Oui. Devant les gens. Il boit et il leur fait comprendre que c'est bon. Oh, whisky, ah, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Partout il est, c'est lui doit. Et il est payé pour ça. Je ne sais pas comment. Comment est-ce que l'employeur fait pour vérifier justement? Comment on fait pour vérifier? Comment l'employeur fait son travail? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, le dernier métier, alors là, je vous avertis en même temps, âme sensible, attention. S'abstenir. Découvreur de sexe de poussin. Ah, attends. Hein? Ah, ok. Découvreur de sexe de poussin. Je vous prends comment? Bien. Vous savez si c'est. Alors, il faut comprendre la genèse de la chose. Les poussins, que ce soit les mâles ou les femelles, sont carrément impossibles à reconnaître. Quand vous le voyez, vous savez. Je ne sais pas quoi. Maintenant, celui-ci, il attrape un poussin. Il souffle dans ses. Mais non, il le presse. Pour que les organes sortent. Quand il le presse suffisamment, l'organe sort, ça fait pip. Et il arrive à palper pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Et puis, il relâche la pression. Et quand c'est un mâle, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils le jettent dans un broyeur. Et mettre vivant dans un broyeur, parce qu'on n'en a pas besoin. Quand c'est une femelle, on la nourrit pour qu'elle devienne une pondeuse. Et tenez-vous bien, c'est un métier pour lequel le salaire était giga, méga, hyper cool, tout ce qu'on veut, et il a été très difficile de trouver des candidats. Ah, c'est normal, parce que c'est... Mais tu presses de façon à ce qu'il ne meurt pas, non? Non, quand tu finis de presser, il ne meurt pas. Sauf que, voilà, toute la pression, voilà. Mais tu le relâches. Mais là, si c'est garçon. Broyeur. Est-ce qu'on peut pas recruter quelqu'un d'autre pour le broyage, pour mettre dans l'appareil de broyage? Ah, bon, ça, par contre, je ne sais pas trop comment ça va se passer à ce moment-là. Mais attention, hein. Mais vous avez pas de votre métier pour finir avec. Regardez-moi, je vous cite. Elle a la chair de poule, c'est ça. C'est le poussin qui pousse. C'est l'appareil de poussin, il faut avoir la chair de poule. Donc, après le whisky, bon, ben, voilà, le poussin pour calmer les ardeurs. Le whisky m'aurait fait retrouver mes esprits quand même. Voilà. Est-ce que vous serez payé pour ça? La question reste posée. La question reste posée. Donc aujourd'hui, voilà ce que nous pouvons retenir des métiers bizarres de par le monde. Découvreur le sexe de poussin, s'il vous plaît. Wow. C'est un métier super bien. Partout où il y a l'élevage. Voilà. Donc ça se fait ici aussi, sûrement. Mais peut-être pas ici, on ne tue pas les. Si vous tuez les poules garçons là, on va manger quoi?
je vois que c'est avec ces gens de sinon ici de poussin qu'on c'est une autre manière de dire coco poulet garçon à la base garçonnet de poulet hein, poulet baby garçon poulet baby garçon. Non, en tout cas ici, nous on ne fait pas ce genre de gâchis. C'est pas de gâchis ça. Et puis peut-être que c'est là. Peut-être que c'est les poulets broyés là qu'ils envoient ça sous forme de viande hachée en conserve. Attends, poussin là, le petit gourou là. Bon, allez, avec allez, de l'assaisonnement. Vu que la voisine a dit rien ne se fait. Ah oui, c'est vrai. Rien ne se fait. C'est quelqu'un aussi ça. Quand il a dit ça, il était assis debout. Tout se transforme. Je vais debout. C'est quelqu'un aussi ça. J'arrive pas à parler ma salle. De toute façon. En plus, malheureusement, j'ai pas l'image de l'ambassadeur. Quand elle est complètement sous émotion. Mais c'est un comptable reconverti. Ah, elle n'a pas trouvé. C'est un comptable reconverti. L'ambassadeur Biskin. Comptable, c'est un comptable. Il gagnait pas assez en tant que comptable. Super, il comptait plus l'argent des autres. Le gars il trinque et il va à la banque, il touche. C'est plus facile. Il a juste à enlever le con devant et puis il gagne à table. Il est à table. Ouais. Non, mais lui, avec tout ce qu'il gagne, il va se payer un chauffeur. Ah oui, ça c'est clair. C'est clair. Il a beaucoup d'argent. En fait, il a le contact facile. Il aime on sort sur lui. Il aime la fête. Ouais. Tellement d'attributs. Moi-même, j'ai tout ça. Moi-même, j'aime la fête. J'ai un contact très facile. Lui, apparemment, il a même un kit et un pour aller faire ça. Lui, c'est le genre de personne. Il fait des présentations. Je vais à cette fête aujourd'hui, je ne vais pas boire. Mais quand il arrive, toi, tu vas boire. Il est là, tu vas boire. Il te fait boire. Non, mais sérieux. Il goûte le whisky, il te dit qu'est-ce que si tu bois pas ce whisky là. Tu t'y connais. Non, mais c'est. Non, mais quand on te parlait de représentation de vodka ici. Qui existe et que Danton ne connaît pas encore le nom là. Oh. J'ai dit de ne pas suivre mon regard. Non, c'est juste que officiellement. Là, non, ne suivez pas mon regard. Officiellement, là, je ne suis pas encore déclaré. Mais il y a une chose que je comprends pas. Tous par ici, ils font la même chose. Qui ça? Au plateau. De quoi? Mais Miss, tu avais quoi hier? Tous ici, on n'est pas ambassadeur. Champagne. Hier, on a parlé de goûteurs, on a parlé des ambassadeurs, on a parlé de gros goûteurs. Il n'y a pas de. À part toi qui es spécialiste en. Bon, comme on a parlé de buffet, il y a les gens derrière qui attendent. Il y a voilà. Qui vous attendent. On va souffler. Oui. Pour les buveurs là. Donc vous aurez besoin. Les êtres climatisés, ils ont des poussins. Ils n'ont plus le pousser. Non, mais c'est cruel. Ils n'ont plus le bah, ouais, c'est ça, l'animal grandit et puis on verra sans cesse. Et puis mettez ça en conteneur, envoie-nous ça à l'oumé, on va manger ça. Vous, ça vous non, c'est un problème d'espace. C'est un problème d'espace parce qu'on n'aura pas besoin de ces coques-là plus tard. Donc pourquoi garder. Non, j'ai vraiment regardé une émission. Mais est-ce que le blanc. Non, mais là, c'est encore mieux. J'ai regardé une émission culinaire dans un pays, je ne sais plus, en Asie. Et en fait, ils mangent des poussins. Ils font des brochettes de poussins. C'est juste les plumes quoi qu'on enlève. Bon, à peine ils ont des plumes, mais on n'enlève même pas la tête. Tout est frit. On mange ça comme ça. Non, tu me rappelles. Avec les intestins et tout. Tu me rappelles. Là, je pense que Lise va faire. Écoute, elle me rappelle un tonton à moi qui était à son âme décédé, c'est le mari à ma tante, qui aussi n'est plus de moi. J'étais chez eux à Paris, et puis il y a un poussin à la maison. Et puis le vieux me demande d'attraper le poussin, de le tuer. Non mais, c'est un poussin, on ne peut pas manger ça, il me dit. Au provisoire, mal le haut, réveillé au mieux, on ne peut pas. Il me demande si le poussin n'est pas plus gros que les garçons, que nous tuer, que nous mangeons. Je lui fais ça rapidement. Non, il va manger combien de temps? Non, c'est bon. Ouais. J'ai refusé. Bon, laisse-moi j'étais. C'est bon. On va souffler. On va souffler avec des poussins. Aération, en fait. Ne peut plus. Tiens, Lisa, d'AVC. Transition, quoi.
Arrêtez d'envoyer vos messages pour dire que pour le de poussin c'est bien. Faut arrêter ça quoi. Bonjour monsieur. Toi je te parle pas, tu cherches quoi sur mon plateau? Ah, tu as répondu. Il y a plein de personnes ici, j'ai dit je te parle pas, il y a quelqu'un qui a répondu, donc il sait que c'est lui. Alors monsieur Francis Oclo, merci d'être avec nous ce matin. Ouais, c'est un plaisir. Vous êtes un des promoteurs de ce service. Allô chauffeur, que vous offrez donc à la population togolaise. On avait déjà vu Edith Diogui. Merci de revenir sur le plateau. Et puis Nikele Alaro. Cher ami, vous allez bien? Oui, ça va. Mais comme ça, on dit que tu conduis. Oui. Volant, tu es vrai. Vous avez quel permis? Permis B. Quel B? Quel genre de B? Mais si par exemple, si je sors avec ma tête de titan, donc vous me trouvez. Si je sors avec ma tête de titan, parce que moi je dis que je vais acheter une tête de titan pour aller au boulot les vendredis. Si tu gagnes souvent ma place, moi je viens, je vais gagner là-bas. Mais si tu gagnes là, on va voir plus fort. Donc, si je sors avec ma tête de titan, je viens. Je peux vous appeler vraiment bon chauffeur. Bien sûr. Mais le concept d'allô chauffeur se base sur un concept où vous êtes en état de débriété. Donc on entend par abus d'alcool. Et là, c'est là pour ramener du point A au point B. Au point B. Avec des chauffeurs spécialisés qui sont formés pour ça, selon des situations. Vous avez parlé tout à l'heure de GPS, effectivement. Si vous êtes vraiment. Ça dépend du degré de taille de métier où vous êtes. Une fois qu'on identifie votre adresse, donc de là, on vous accompagne poliment jusqu'à chez vous. On s'assure que vous rentrez dans votre habitat et on fait le rapport avec à la société. Allô chauffeur, pour dire que la mission était accomplie. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis en œuvre l'alcotest. D'un côté, c'est pour protéger la population, même contre sa volonté. Ça crée un problème. Pour protéger la personne, pour la protéger d'elle-même. Oui, voilà. Parce qu'elle, quand elle représente un danger pour elle-même. Et pour le reste de la population. Donc, ça a fait beaucoup de bruit. C'est l'idée de l'eau chauffeur pour justement sauver des vies avec un autre service que nous mettons à la disposition de la population. Surtout que le fait... l'année arrive, donc tout le monde sait comment ça se passe, il y a beaucoup de fêtes. On néglige le minimum de sécurité à prendre, on prend le volant, on dit bon, moi ça va jamais m'arriver, mais personne n'est à l'abri de ce phénomène. Et nous, on est là pour pallier justement à cette carence pour sauver des vies. Allô chauffeur. C'est clair. Donc comment ça se fait ?
C'est à chacun de voir. Je sors, je vous informe à l'avance. Voilà, je suis les lieux, je me dis, bon, au lieu de prendre un verre de bière, je n'ai que peut-être deux bouteilles. Je sais que si je souffle dans la palette, c'est fumé qui va sortir. Donc, je vous appelle. Ce qui est intéressant, la question, c'est qu'on ne prévoit jamais quel degré d'alcool on va prendre pendant les fêtes. N'empêche, on sait que si tu prends un petit verre de 0,25 centilitres, tu as déjà atteint le sommet. Le sommet. Oui, ça dépend aussi du temps. Quand tu as voilà. Donc il y a un minimum que l'alcootest peut détecter et le règlement dit que si vous dépassez ce taux, vous ne pouvez plus conduire. Vous n'êtes plus en état de vos moyens. Vous n'avez plus les vos moyens pour conduire. C'est là où il y a une campagne justement qui est en train de s'opérer sur les lieux publics, les lieux de fête. Il y a des affiches qui sont collées. N'importe qui peut intervenir. Une fois que vous voyez quelqu'un qui, dans son état, ne le permet pas de prendre en volant, suffit de téléphoner à un numéro. Nous, on intervient sur le lieu avec le système de GPS. Donc, vous conduisez du point A jusqu'à chez vous, sans personne. Vous allez couvrir tout le territoire pour non, pour l'instant, l'expérimentation se fait plus sur Lomé. Et pourquoi pas avec le temps, sur le plan national. Mais donc, vous allez couvrir toute la capitale. Oui, oui. Ah ouais, quand même, vous êtes occupé, hein. Bah, on a des, il y a plein de chauffeurs. On a des chauffeurs. Il y a beaucoup de chauffeurs. Il y a des chauffeurs qui sont là, qui sont disponibles. Et pendant les fêtes, surtout, c'est là où il va y avoir ce qu'on appelle le turnover. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, on se prépare au niveau logistique pour pouvoir pallier à ce problème. Alors, tu sais quoi l'idée, que, surtout pour la dame, me dit, pour rapprocher un peu le micro Daniel. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous engagez dans... dans cette affaire, à la base, vous-même faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. Vous êtes étudiante? Business de propre. C'est bien, si à côté des études, on peut avoir encore un boulot. Si on a son permis, on sait conduire, on peut avoir à côté de ses études un boulot pour voilà. C'est seulement en Afrique qu'on fait ça. Pouvoir vous acheter les chocolats quand ils rentrent la matin, vous savez ce qu'il faut. On se savait ce qu'il faut parallèlement à leurs études. Le programme là-bas leur permet de faire une flexibilité. Tu vas permettre, tu vas laver les assiettes, tu vas balayer parce que lui, vous disiez. Oui, je suis étudiante à l'université de Lomé. Et donc, quand l'idée a mûri, donc on recrutait des chauffeurs pour ce boulot, vous avez dit pourquoi pas, je peux le faire. Oui. Vous n'avez pas peur? Non. De transporter quelqu'un la nuit? Non, vous-même vous conduisez. La nuit. Oui. Le chauffeur sont. Il y a deux aspects pour pouvoir être opérationnel sur le terrain. Il y a. On forme le chauffeur. Parce que le métier de chauffeur a tendance à avoir une connotation. Alors, je crois pas. De... Pardon? Il faut mettre mon nom sur la liste. Ah, c'est le nom, c'est celui-là. Moi-même, mon nom est dessus. Peut-être qu'on va l'appeler à l'autre chauffeur, je veux qu'on vous ramène. Ouais. C'est Lise qui va se présenter. Donc, d'abord, ça a un aspect d'abord professionnel. Donc, une formation adaptée à une conduite. Il y a deux types de conduite passive et conduite active, en fonction des situations. Mais il y a des chauffeurs qui sont déjà chauffeurs chevronnés, mais on les forme. Oui, on les forme pour qu'ils puissent s'adapter à notre méthode de fonctionnement. Donc, on lance d'ailleurs un appel pour les chauffeurs, les gens qui sont déjà chauffeurs ou qui ne sont pas chauffeurs, qui veulent se former. Donc, les gens qui n'ont pas encore de permis, qui ça intéresse, vous pouvez les former, vous pouvez les engager. Bien sûr. Et les gens qui ont le permis. Et qui l'ont perdu. ça fait, je pense. Ils ont perdu, non seulement les documents, mais l'aptitude à conduire également. Ils ont eu le permis. Ils ont tout perdu. Ils ont eu le permis juste pour rentrer dans leur chambre. Ils ont vu qu'ils ont perdu le permis et la capacité. De toute façon, si vous avez votre permis, vous avez perdu votre permis. Donc, il y a toujours remise à niveau à faire. Ouais. Il y a une technique d'éthique. Mais ça, c'est pas d'avoir un permis pour conduire. Non. De conduire réellement. Ouais. Conduire bien pour pouvoir sauver et protéger les gens que vous conduisez, les passagers. Donc, ce n'est pas parce que vous maîtrisez, vous avez fait 10 ans de conduite, que vous dites, bon, moi, je peux conduire partout. Les situations sont tout en mouvement par rapport à une situation. Mais si vous avez l'expérience et la formation adaptée, là, vous pouvez au moins 90% de chances à sortir et protéger votre travail.
c'est clair. C'est clair. Maintenant, quand vous demandez, je me dis avant, là, c'est juste une mission, on peut dire de. Ça peut prendre 30 minutes, 15 minutes, parce que la personne va, ramène le client chez lui et puis revient. Mais est-ce que je peux me dire à la base que je veux sortir et que je ne veux pas conduire, je veux un chauffeur. Donc je parle des missions de longue, de courte ou de moyenne durée. C'est bien. Possible d'avoir des chauffeurs avec bien, vous. Bien entendu. C'est la base de l'activité même, puisque aujourd'hui c'est un phénomène qui essaie de s'installer ici au Togo. Nous, on prend, vous demandez un service. C'est comme un service de conciergerie. Vous nous demandez un service à moyen, long, court terme. J'ai mélangé un peu l'ordre. Mais nous, on est disponible à vous conduire du point A, à vous faire vos courses, que ce soit pendant une journée 24 heures, que ce soit pendant une semaine, que ce soit pendant un mois. Okay, selon la durée partir. Que vous demandez. J'ai un grand frère qui va vouloir partir avec la demoiselle en week-end, chauffeur. Et justement, ça, c'est une question. C'est un aspect très intéressant pour la simple raison qu'on a judicieusement fait le choix de mélanger les sexes, pour la simple raison qu'il y a des femmes qui préfèrent être. Oh, c'est les hommes qui ont préféré les femmes. Oui, ça aussi, c'est cet aspect. Mais il y a une déontologie, il y a l'éthique. Okay. Quand vous êtes chauffeur, il n'y a pas de connivence ni d'intimité avec le client. Avec le client. Vous êtes un professionnel. Voilà. Bien sûr. Oui, il a des secrets. Il connaît chez les maîtresses de son patron. Il y a le silence qui est là. Votre travail, c'est de conduire de point A à point B et essayer de rendre plus agréable le trajet aux passagers. Si vous pouvez même fermer vos yeux en conduisant. C'est pas comme les coiffeuses qui entendent les forces avant de ne pas entendre. Quand tu dis que je vais répondre. Oui, donc ça m'amène ce que vous dites à parler de la moralité, donc des agents pour occuper. Donc c'est des gens à qui je peux laisser mon volant. Parce que vous savez que dans les voitures, dans les boîtes à gants, on a plein de des trucs de valeur, même dans la voiture, il y a des choses qui peuvent traîner, ouais. Les petites pièces dans le bac là. Comme des parpaings de papier en ciment. Et donc, il faut. Oui, mon téléphone peut assurer. À bas la violence, il était. Donc, c'est de la moralité. Je peux être sûr que lui, il rentre dans ma voiture, il s'assoit, il démarre, il met la ceinture. Et puis après, il sort. C'est-à-dire, il ne touche à rien d'autre. C'est un gage quand même qu'il faut. Oui, imaginons voilà. Que... On va faire ce qu'on va faire le bilan au début. Il va avoir peut-être un papier, une fiche voilà, sur, c'est là sur laquelle on voit tout ce qui est dans la voiture. Parce qu'il y a des clients qui vont être de mauvaise foi. Il a perdu son téléphone peut-être à la fête. Il va dire que le téléphone est dans la voiture et que c'est le chauffeur qui a pris le téléphone. C'est vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Vous y avez pensé. Oui, bien sûr. Puisque la première chose, quand vous appelez, vous demandez nos services, on vous attribue un chauffeur. On connaît l'immatriculation du chauffeur. Vous connaissez l'identité du chauffeur. On sait que tel chauffeur chez vous. Comme vous dites, au premier abord, vous lui confiez sa voiture, votre voiture. Votre voiture, on fait l'état. Que ce soit intérieur ou extérieur, tous les objets qui sont dedans. Maintenant, une fois sa mission accomplie, on revérifie en proche, on vous dit voilà, merci, vous avez déjà réglé la situation, on s'en va. Mais au cas où il y a, par hasard, ce qui peut arriver, puisque tu as soulevé qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui peut dire ah oui, mais j'ai perdu mon téléphone. On vous sort la fiche. Ça, voilà ce que nous on a trouvé quand on est arrivé. Voilà ce qu'on a validé ensemble avant de partir. Donc de là, bon, votre téléphone, vous accusez. Voilà. Il faut chercher derrière la feuille. Voilà. Il faut chercher votre téléphone derrière la, voilà. La feuille. Maintenant, comme vous, je sais que vous avez touché des lieux de fête, des bars, des restaurants, des boîtes de nuit, qui eux aussi peuvent vous faire appel s'il y a des clients qui sont là et qui ont besoin de chauffeur. Bien sûr. C'est ça. Maintenant, avec qui, est-ce que c'est avec quelqu'un du bar, quelqu'un du restaurant, un ami de la personne que vous transportez, que vous allez faire le point D'abord la personne qui appelle. Si elle est en état. C'est encore au point pour faire un voilà. Point. On discute de tous les aspects, son trajet, combien ça va lui coûter, puisque c'est ça aussi. Bon, on en vient cet aspect qui est intéressant. Une fois que ça s'est calé, nous, on discute par rapport à la distance. On dit, voilà, ça va vous coûter tant, puisqu'on va vous protéger, non seulement vous protéger, on va ramener à la maison. Et pas seulement vous jouez votre voiture. Oui, voilà. Donc, de là, il n'y a pas de problème à
régler. Ah, la personne peut nous dire, bon, pour l'instant, moi, je ne peux pas régler, mais on a besoin de garantie. Parce qu'on vous sauve quelque part. La personne a fait son argent pour boire. Mais là, ça coûte combien? Mais c'est au cas par cas, c'est par rapport, comme tu dis tout à l'heure, c'est au cas par cas, en fonction de la distance, en fonction de d'autres paramètres, on peut se dire s'il est vraiment en état d'ivresse chronique, de là, on prend quand même nos dispositions pour l'amener, mais pour qu'il ne cause pas de problème de dégâts aussi par rapport à au chauffeur, par rapport à la voiture. Donc ça se discute, il n'y a pas de barème si vous voulez dire que c'est au cas par ça cas. Vous coûte tant. Parce que si le chauffeur doit quitter par exemple à Idogomé pour aller vous prendre à Dijolé et puis après rentrer chez lui, il faut quand même déjà que ce que vous allez payer puisse assurer le déplacement tout ces du chauffeur et puis le puisqu'on lui paie en extra pour le boulot qu'il fait. Donc c'est au cas par cas que l'on doit... Bon, c'est au cas par cas que ça va se faire. Hein. Oui. Vous appelez et puis on vous oriente, c'est ça? Nous, on a déjà fait les calculs des paramètres. Okay. De tout ce qui va être intégré dans le prix final. Donc, si on vient vous chercher, on sait à peu près sur quelle base on va négocier. Ok. Donc, pour le moment, c'est que pour les voitures. Il n'y a pas pour les voitures. Pour l'instant, non. Mais c'est une idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé la question? Non, pour moi, il y a plus de motocyclistes que de... d'automobilistes. Bon, oui, il y a la barre de Bala qui cache les numéros, mais ne vous en faites pas, tous les numéros terminent par 3059. Bon, c'est 90 08 30 59 ou 97 09 30 59. C'est 30 59 30, voilà, c'est bon, c'est mieux comme ça. Oui, donc c'est moi par rapport au prix. Ok, c'est bon. Mais c'est pas un prix qui va vous... Déjà, l'aspect prix, c'est un paramètre que nous on considère comme seconde nature. Si vous êtes en état d'ivresse, on va vous protéger. C'est votre vie qui est en danger. C'est clair. Et chaque adulte est responsable de sa vie. Nous, on est là pour pallier justement à ces genres d'inconvénients qui peuvent arriver, non seulement pour soi et pour la population. Vous faites un peu le calcul par rapport à ce que si vous avez la chance... Et que sur le coup de l'accident, vous ne mourrez pas. Si vous faites le calcul de ce que vous avez dépensé à l'hôpital, de ce que vous avez souffert dans votre chair, je pense que. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Payer la facture qu'on vous demandera pour vous ramener sain et sauf à la maison, c'est vite fait, quoi. La formation, vous avez déjà le permis depuis avant de venir. En 2017. Les gens me cherchent. Les gens me cherchent. Vous aviez le permis depuis des années avant de venir, avant de vous inscrire sur ce service. Et vous conduisez régulièrement. Et vous n'avez pas perdu votre permis? Non. Mais en fait, cet aspect, le point que tu soulèves, c'est que quel qu'en soit le permis, quelle qu'en soit la durée, enfin le permis B pour conduire. Il faut qu'il soit valide. Voilà, la durée pour nous n'a pas d'importance puisqu'on intègre une formation, c'est obligatoire. Parce qu'il y a différents types de conduite. On ne va pas rentrer dans les aspects trop techniques, mais quand je parle de conduite active, vous pouvez rentrer dans une zone à risque. Par exemple, le chauffeur est en mesure de maîtriser. C'est ça la même gemme, quoi. Oh, conduire à risque là. J'adore. Vous pouvez faire cascader. Tu veux dans un environnement pour pouvoir justement s'expliquer de cette zone à risque. Donc, quel qu'en soit le permis, la formation est obligatoire de base avant d'intégrer de partir d'aller sur le terrain. Allez, cher ami chauffeur, vous allez me conduire. Parce que voilà, la dose d'hier, là, moi, ça ne me met pas un. La dose d'hier, là, ça ne me met pas un. On est là. Hein? Il y en a là. Vous êtes là. Même tout de suite, il ne faut pas partir. Moi, si vous faites un autre. Vous êtes dans l'activité. Activité. Je suis une casse. Ah, lui, il est mécanicien. Lui, c'est dans les autres moments. Il est dans son élément, ça. Oh, c'est lui, le mécanicien, c'est top. Tu es sûr d'arriver chez toi. Il s'arrive pas, tu es à la maison. Ah, c'est top. On va revoir l'affiche encore avec les numéros en bas, 90 08 30 59, c'est ça? Oui. Monsieur Francis Oclos, un autre numéro, vous dites 97? Non, c'est le même. 97 09 30 59. Tout ça, là, c'est 30 59 derrière. Voilà l'affiche, 90 08 30 59, 97 09 30 59. Il faudrait garder ces deux numéros. Parce que leur devise, vous voyez, à vous le verre, à nous le volant.
Voilà. Il y a juste un dernier appel, si je peux. Et en lançant l'appel, on recrute. Ah, vous recrutez aussi? Oui, pour pouvoir pallier justement la forte demande qui s'annonce pour les fêtes. Voilà. Donc, s'il y a des candidats, ben, passez toujours par ce même numéro. Ok. Mm-hmm. Il y a une candidate ici. Elle s'est déjà inscrite. Allez, si vous voulez être chauffeur pour Allo Chauffeur, 90 08 30 59, 97 09 30 59, et venez nous rejoindre aussi pour être des chauffeurs. Mais les filles, n'ayez pas peur. Hein. Les filles, venez là. Moi-même, je suis dedans. On va les conduire. Oui, comment les tenues sont c'est prêtes. Bon, il y a une hôtesse de avec des chauffeurs comme ça, c'est bien. À chaque fois que vous venez chercher, c'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça qu'ils sont habillés et tout. Ça va même la nuit. Mais c'est bon ça. On l'appelle à 2h du matin. Il va non, c'est pas elle que tu vas appeler. Tu appelles le service. On t'envoie quelqu'un. C'est bien. Merci. Oh. Il y a un numéro qui est là. Justement. Et le mais est-ce qu'il appelle? Je peux choisir. Non. Il a choisi. Là, c'est ça qui fait la télé. Il est pas venu me conduire. Il y a des idées aux gens. Est-ce qu'il appelle le service? On t'envoie quelqu'un. Voilà. Selon la zone où vous êtes, voilà. Qui vient vous chercher? Le chauffeur le plus proche de votre zone. Voilà. Elle n'a qu'à savoir c'est dans quelle zone vous êtes. Là-bas, pour que vous puissiez nous chercher. Il y a plein de chauffeurs, filles, super, merci. Ça fait c'est bien, hein, top. Félicitations pour c'est vraiment salut. Bien, surtout les étudiants. Les étudiants, les mécaniciens qui sont dans les garages la nuit. Et voilà, ils vont servir à quelque chose que de bon dans nos voitures. Moi, je bois pas. Surtout ceux qui sont sobres de nature, ceux qui ne boivent pas l'alcool. Là. C'est un boulot pour eux, ça. Super. Cool, chers amis, merci d'être passé. Monsieur Francis Oclo, merci d'être passé nous présenter cette opportunité-là. Monsieur Nikele à la Rome, merci d'être passé également. Et puis mademoiselle Edith Jogi, merci d'être passé. Chauffeur de Allo Chauffeur et promoteur de Allo Chauffeur. 90 08 30 59, 97 09 30 59. Si vous voulez être chauffeur, ou alors si vous pensez à ce dimanche, hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Allez, très belle journée à vous. Merci. Et Cultura pour continuer l'émission toujours. Naoma, vous là. Chauffeur garde-corps même. On me dit qu'on est un chauffeur garde-corps. On en parlera après. Oui. Chauffeur garde-corps. Ça va être intégré. Ouais. Et la protection en même temps. I'm so sorry, I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Aujourd'hui, là, j'en ai pour ma dose. Hein. Voilà. Traitement de choc, elle est dit, ralentissez, roulez moins vite. Et vous allez être aidé par des chauffeurs, justement, parce qu'on roule plus vite, comme ça, sans contrôler, quand on est sous l'effet d'alcool, entre autres. Voilà. Firmé. Oui. Julie Lapinou. On dit que lui, il est ça va un lièvre. Ça, c'est un lapin. Comment vous allez? Ça va. Mademoiselle Moreau Kifayette du Lions Club, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, je suis Lions Club et la JCI. Donc moi je suis de la JCI. Okay. Youth Speech Challenge. Challenge. C'est un concours d'oratoire pour les jeunes, comme je disais. Et il faut dire que ça a démarré depuis le 5 décembre. Oui. Ils ne sont plus à la phase d'inscription, puisque l'inscription est passée, la formation a fini hier. Et là, on donne le temps, enfin, les candidats. Ils sont au total presque 80. Oui. C'est cela. Oui. Presque 80. Oui. De 18 à 28 ans. Exactement. Ils ont déjà les armes pour pouvoir véritablement compétir et voilà, être prêts avant le 25 janvier. Janvier 20. Oui. Voilà. Exactement.
Merci beaucoup. Merci Lucie et à toute l'équipe de Lubala, Léonore, Daniel, Firmin. Merci d'avoir hésité sur le nom. Non, pas de jalousie. Eh bien, Youth Speak Challenge, c'est un concours d'oratoire organisé avec la Jeune Chambre Internationale et les Lions Club, Lomé Yavé. Ils ont sa fille Lomé Delphis, à l'endroit des jeunes de 18 à 28 ans, comme tu l'as dit. Il faut leur donner des capacités communicationnelles. C'est pour également trouver les meilleurs orateurs au Togo. Le constat est parti du fait que les jeunes togolais ne sont pas les moins talentueux de la sous-région. Nous avons beaucoup de talents, mais nous avons souvent des problèmes à exprimer ces talents, à dire ce que nous faisons, à trouver les bons mots pour le dire. Et c'est ce qui nous a poussé à organiser ce concours qui se déroule, qui a commencé le 5 décembre déjà et qui finira le 25 janvier par la grande finale. Et nous avons eu la phase d'inscription où les jeunes se sont inscrits et la phase de formation qui a pris fin hier. Nous avons formé sur le discours, l'art oratoire, le storytelling et aussi des partages d'expériences de personnes influentes du domaine de la communication. Sur quel thème en réalité ils vont communiquer, parce que c'est vrai, ils ont les armes, mais il y a forcément un thème sur lequel ils vont communiquer pour pouvoir véritablement gagner au prix. Exactement, merci Firmin. Nous allons les mettre en compétition sur des thèmes importants tels que la citoyenneté, le leadership du jeune et aussi l'apport que le jeune togolais peut apporter et peut donner quand il s'agit du développement par le PND que nous avons nous sommes en train d'exécuter au Togo. Et donc c'est à cela que nous allons les inviter à débattre sur ces sujets-là, à discourir et à vraiment posséder ces thèmes-là et à pouvoir en parler avec beaucoup de beauté et d'éloquence. Ils sont 80. Oui. Ils sont 80. La finale, c'est le 25 janvier. Oui. Jusque-là, est-ce qu'il y aura des phases éliminatoires? Oui. Comment ça va se passer? Exactement. Déjà, les 80 qui se sont inscrits, hier, il n'y avait pas tous qui étaient là à la formation. Et donc, nous allons délibérer pour voir tous ceux qui ne se sont pas présentés, mais n'ont pas donné d'excuses du tout. On sera obligé de les éliminer. Voilà, de les éliminer. Ils se sont éliminés. Et donc, il y a cela. Mais après, le 11 janvier, on aura les phases éliminatoires. Le 11 janvier, nous allons les mettre en groupe. Donc, on s'est dit qu'on va mettre en trois groupes. De chaque groupe, maintenant, on aura encore les meilleurs. De ces trois groupes et les meilleurs de ces trois groupes vont également compétir en demi-finale le 18 janvier, avant la grande finale du 25 janvier. Alors, sur quels critères ils seront évalués? Ils seront évalués sur la voix, ils seront évalués sur le contenu même de ce qu'ils vont donner, sur la présentation et sur la gestuelle qui sera faite autour. Donc tout cela a été donné hier au cours de la formation. Je peux aller en détail sur les formations que nous avons données hier. Oui, brièvement. Je donne les thèmes et les formateurs. Il y a eu le discours, comment le posséder, et par Joyce Koudadié. Ensuite, nous avons eu le comment utiliser l'émotion pour communiquer avec le public, l'art du storytelling, parler pour impacter, qui a été donné par Dani Akako. Maître Darius Achou, avocat à la Cour, nous a donné tout ce qu'il faut en termes d'art oratoire, comment eux ils le font à la cour, comment ça se fait pour convaincre, comment utiliser la thèse, l'antithèse pour avancer ses idées et tout. Et enfin, Patrick Amenda nous avait fait l'honneur d'être présent pour donner son partage d'expérience en termes de présentateur, communicateur. Et tout cela a servi d'arme donnée à ces candidats pour vraiment s'attaquer à la compétition proprement dite. Alors, Youth Speech Challenge, on n'a pas eu d'intervenants à l'international qui sont venus former. Pourquoi le projet est en anglais, Youth Speech Challenge? Voilà. Merci. Le projet n'est pas en anglais, le titre est en anglais, parce que ça fait beaucoup plus accrocheur de dire Youth Speech Challenge, c'est l'acronyme, ça donne YSC, et puis bon, c'est vendeur, je peux dire que c'est vendeur, voilà.
Donc la compétition c'est pas en anglais. Pas du tout. Donc là ils ont jusqu'au il y a plus de formation jusqu'au 11 janvier, donc ils sont en train de se préparer d'écrire les différents discours. Exactement. Mais en dehors de ce concours, puisque vous vous dites que la phase de description est terminée, est-ce que la JCI offre ces formations là pour moi qui n'ai pas pu m'inscrire par exemple pour ce concours, est-ce que si je fais partie de la JCI, je pourrais bénéficier après de ces différentes formations pour savoir m'exprimer en public? Oui, merci. Les formations constituent une partie importante de la JCI parce que nous avons le volet développement individuel qui veut que le citoyen, le membre qui vient à l'organisation puisse sortir meilleur. Donc, toutes ces formations sont organisées régulièrement à la JCI quand tu es membre. Et même si tu n'es pas membre, tu as l'information, les portes de la JCI sont ouvertes et tu veux participer. La variante sera que les membres ne vont pas payer, mais toi tu vas payer parce que tu n'es pas membre, tu vas payer pour participer. Et donc essentiellement cela. Mais les formations sont disponibles, nous les organisons régulièrement. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? La meilleure question, il y en a hier qui demandait même un trophée. Mais on ne donne pas de trophée, on ne donne pas d'argent, monnaie, sonnante et trébuchante. Nous voulons donner parce que la cible est essentiellement étudiants ou primo demandeurs d'emploi et on voit la difficulté, on a vu la difficulté avec laquelle les jeunes Togolais trouvent des stages et parfois les stages c'est bénévole et tu demandes à papa, à maman avant de trouver l'argent pour prendre taxi pour aller. Donc on s'est arrangé avec certaines entreprises qui ont accepté d'être partenaires sur le projet pour trouver des stages rémunérés pour ces jeunes-là. Ça va leur servir, ne serait-ce que pour écrire ton stage et gagner ton mémoire de fin de cycle. Et les stages rémunérés que nous avons trouvés, au-delà de ça, il y a un grand prix que le Lions Club, qui fête ses 30 ans, met à la disposition du meilleur. C'est de participer, de financer la participation du gagnant à la convention de Lions Club au Singapour en 2020. Il sera en juin 2020. Donc, le gagnant participe, tout frais payé, il lui prend sa valise et il commence tout son voyage. Donc, vous avez dit qu'on ne peut plus s'inscrire, c'est ça? Non. Et il y a aussi la variante de l'âge. L'affaire intéresse toujours. Attends, ça passe. Non, j'ai fini. Donc, quand tu me vois là, depuis 28 ans, c'était hier 21 décembre, mon anniversaire. Tu sais quel âge j'ai fêté hier? 12 ans. Joyeux anniversaire. 6 ans. Joyeux anniversaire. Merci. Et puis, hein? Et puis la stagiaire, oh non, hein. Il faut voir comment elle a dit ça. Ah non, il y a la valeur de l'âge. Il y a la valeur de l'âge. On dit les jeunes. Je ne sais pas parler, je ne suis plus dedans. On dit les jeunes. Il y a la valeur de l'âge. On dit les jeunes et puis les mamies aussi parlent. Pourquoi? Il y a la valeur de l'âge. Je sais qu'il y a la valeur de l'âge. Pardonnez, on a fait ça à côté de toi. Pardonnez. On fait aussi jeune. On fait jeune. Tu vois un os. Si un des potes, il a été sur une table royale. Autour d'une viande, quoi. C'est clair. Alors, un prix spécial, trois grands prix. 1, 2, 3, premier, deuxième, troisième prix et d'autres prix également pour aider les jeunes qui ont participé donc à l'événement. Oui. Nous voulons élargir l'éventail de ceux qui vont gagner. Donc, on ne va pas s'arrêter à trois premiers prix. Mais on va par exemple primer le candidat fair play, le candidat courtois, le candidat ponctuel. Et donc, les stages, puisqu'il y a plusieurs stages, les stages vont se répartir entre les différents prix, les différentes catégories, les différents prix. C'est top. Donc on va croiser les doigts et souhaiter bonne chance à tous ces candidats-là. Oui. Pour le 25 janvier. Exactement. Prochain, sans doute, on en fera écho. Oui. On verra bien. Merci d'être passé. Hein. Merci beaucoup. Tu Fayette Moreau de la JCI. Oui. Elle est JCI avec Alliance. ils font donc ce Youth Speech Challenge. Oui. Très belle journée à vous. Merci. Et on finit avec la soirée des professeurs leaders. Sincèrement, je veux. Ce truc qui m'intéresse, je comprends mieux, comprendre tout de suite. Je vais convoquer ici Soké Atireka sur le plateau. Ok, joyeux anniversaire, joyeux Noël. Merci bien, à vous également, joyeux Noël. On va souffler. Transition en fait. Thank you.
The rivers of Babylon, there we sat down. There we will, when we remember Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Moi aussi, pas le temps. Bonjour monsieur. Bonjour Lys. Comment vous allez? Je vais très bien. Joyeux lapin. Merci. Il ne fait pas exception à la règle alors. Ah mais c'est clair, personne ne fait ça. Non, non, même pas. Okay. Tu n'as pas le choix. D'accord. Même s'il y en a qui ont transformé ça en cravate, voilà deux coups. Mm. Alors, soirée des professeurs leaders, c'est quand j'entends professeurs, c'est des enseignants dans des écoles? Oui, ce sont des enseignants. Ah, ok, fume. Oui, disons que ce n'est pas la première ni la deuxième édition. Ils sont donc à la troisième édition. Et l'idée, c'est de rassembler les professeurs, ceux qui, quand même, donnent l'arme la plus puissante à ces enfants ou à ces élèves de se réunir et de festoyer. C'est bien cela, Sophie. C'est bien cela. Alors, comme vous le dites, c'est la rencontre des professeurs, ceux-là que nous qualifions de professeurs leaders. Ils sont trop oubliés, c'est le genre de gens qui sont vraiment... C'est bien de faire un événement pour eux. Voilà, ils sont trop oubliés et ils s'oublient eux-mêmes des fois. Mmh. Et c'est ce qui est dommage. Parce qu'avant qu'on ne se souvienne de toi, qu'on ne se rappelle de toi, il faudrait que tu te rappelles de toi-même. Mmh. Il faut déjà donner l'inspiration aux autres. Il faut dire, voilà, nous existons et nous savons comment faire la fête aussi. Nous savons comment nous réunir et prendre des décisions sans toujours parler de revendications aussi. Hein. Donc c'est à partir de ça que, voilà, on dit maintenant, là, ça y a une tranche sociale qui est là et qui se rappelle d'elle-même et qui a envie de faire évoluer les choses. Alors, professeur leader, l'idée est née en réalité il y a 4 ans. Et vous êtes donc à la troisième édition. Quel est le bilan qu'on peut faire de ce parcours, première, deuxième et à cette troisième édition? Merci Fimer. Je peux dire que nous sommes très contents aujourd'hui quand nous recevons des appels, quand des gens nous disent félicitations pour ce que vous faites, quand des gens nous disent je voudrais m'inscrire sur la liste. Même avant qu'on ne lance la soirée cette année, il y a des gens qui ont demandé est-ce que vous allez vous rencontrer cette année? Est-ce que vous allez... Les faire... professeurs? Oui, les professeurs. Mais ce qui est curieux, il n'y a pas que les professeurs. Et là, je pense quand même que j'aurai le temps de revenir là-dessus. Aujourd'hui, quand on prend des professeurs leaders, finalement, ce ne sont pas que des professeurs leaders qui vont venir se rencontrer parce que nous disons l'éducation ne concerne pas que les enseignants. Voyez, il y a tout un engagement social qui va faire la chose cette année. Donc nous sommes fiers aujourd'hui du bilan des deux premières éditions passées. Et cette année, je crois quand même que ça va nous permettre d'aller encore loin dans nos objectifs. Alors, qui peut s'inscrire? Parce que là, on parle de professeur leader. Si c'est la première fois aujourd'hui que j'entends parler de cette soirée entre professeurs, entre ces éducateurs, est-ce que je peux? Je peux parce que je ne connais pas en réalité les professeurs leaders. Il y a un club de professeurs leaders qui existe déjà. Ok, à la base, c'était des enseignants. C'était des gens-là qui se sont engagés eux-mêmes dans une éducation de qualité.
avant même qu'on ne parle de l'éducation de qualité pour tous, tout et tout, eux-mêmes, ils se sont démarqués hein, à partir de certaines choses qu'ils font avec les élèves, à partir de, des innovations personnelles, des actions personnelles qu'ils font sur le terrain de l'éducation. Et ces gens-là, à un moment donné, ont décidé de se rencontrer. Vous voyez, et de se partager des connaissances, des expériences. Donc à la base, c'était d'abord des enseignants. Ok, mais avec le temps, nous avons vu que non, il n'y a pas que les enseignants qui font de la bonne éducation. Il y a également les hommes de médias qui font aussi de la bonne éducation. Parce que quand on veut parler de l'éducation, c'est aussi les médias, c'est l'école, mais c'est aussi les médias, c'est la famille. Vous voyez, ce sont des associations. Vous voyez, c'est la, le, celle qui vient de passer avant moi tout à l'heure, ce qu'elle est en train de faire, quelque part aussi, ça rentre dans l'éducation, ça rentre dans la formation. Donc, toutes ces personnes aujourd'hui sont dans ce cercle-là que nous appelons des professeurs leaders. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir participer à cette soirée, d'abord, vous êtes des professeurs, vous serez les bienvenus, mais aussi des hommes des médias comme vous peuvent participer, des hommes de la société civile également peuvent participer, des parents d'élèves peuvent participer parce qu'ils ont leur mot à dire en matière de l'éducation. Et que c'est une distinction ou bien c'est un dîner simplement? Voilà, c'est tout un programme. Mm-hmm. D'abord, c'est une rencontre entre intellectuels. Mm-hmm. Donc, on va le faire, on va inviter un guest speaker, quelqu'un qui constitue une référence pour nous dans le domaine de l'éducation au Togo. On ne va pas le chercher ailleurs, c'est au Togo. Vous savez, moi, je suis fier de parler de ce truc des Togolais, en fait. Parce que l'éducation est tellement bonne au Togo, quand même, on dit, lorsque vous voyagez, vous quittez le Togo, vous êtes toujours meilleur ailleurs. Quand vous allez au Sénégal, vous allez revenir avec de bons diplômes parce que vous êtes Togolais. Si vous êtes bien ici, vous allez en France, vous allez voir les Togolais en France qui reviennent avec de bons prix, qui se démarquent. Ça voudrait dire quand même que quelque part, ce sont des ancêtres. Voilà, il y a une bonne base qui est donnée. Donc il va falloir quand même qu'on fasse un geste dans ce sens à l'envers de ces personnes. Et donc, vous dites que oui. Donc si je reviens, il y aura d'abord quelqu'un qui sera un guest speaker de la soirée qui va nous parler, du thème qui est pour une éducation de qualité, je m'engage. Alors, à part ça, il va y avoir des distinctions. Comme je le disais, il y aura des distinctions dans trois catégories différentes. Dans la catégorie enseignement, donc il y a une référence, quelqu'un quand même qui constitue une référence pour nous, dans le domaine de l'enseignement. Dans le domaine des médias également, il y a une référence par rapport à une émission précise. Okay? Et dans la catégorie association également, il y a une association qui constitue une référence pour nous. Donc voilà un peu, il y aura des distinctions dans ce sens, qui constituent pour nous des reconnaissances à l'endroit de ces personnes. À part ça, il y aura des échanges B2B. Vous savez, il y a aujourd'hui le concept de éduprenariat. Des gens qui conçoivent des applications de l'éducation, des enfants peuvent apprendre à distance, etc. Donc ces personnes-là seront invitées également, il y aura des échanges dans ce sens. Et nous allons clore tout par un cocktail. C'est le même jour. C'est la même soirée. À partir de 18h30. 18h30, le 27 décembre. Le 27 décembre. Et on participe comment? Sur réservation. Sur réservation, oui. Sur réservation à 5 000 francs. À 5 000 francs. Maintenant, vous dites que tous ceux qui sont intéressés peuvent vous contacter. Mais les distinctions que vous donnez, c'est vous-même qui fouillez dans le paysage et que vous dites que cette personne mérite, cette structure mérite. C'est vous qui... Moi, les prix qu'on fait, les distinctions qu'on fait, puis il faut s'inscrire pour postuler au prix là. C'est pas du genre de... Je me dis que c'est pas toujours... Pour moi, c'est pas toujours pertinent. Parce que si les gens qui font bien, ils ne s'inscrivent pas, c'est les gens qui s'inscrivent, qui ne font pas forcément bien, qui seront distingués. Est-ce que vous, ces gens qui vont venir s'inscrire, que vous récompensez bien, vous-même, vous allez ouvrir vos yeux, chercher et voir, ah tiens, cet enseignant ici, il est bien, cette structure ici, elle est bien, et puis vous distinguez. Exactement, nous inscrivons dans votre logique liste. Il y a un comité qui travaille en amont, un comité qui essaie de rassembler certains critères par rapport à chaque domaine. Donc c'est ce comité-là, en fait, qui décide. Il n'y a pas d'inscription. Ce n'est pas... Alors, voilà. Donc, ce n'est pas une compétition, en fait. Il n'y a pas d'inscription préalable qui est faite. C'est le comité qui travaille et qui fait des propositions. On analyse ensemble et voilà, on prend ce qu'on doit prendre. Et si on fait globalement combien de prix? C'est plus dans combien de catégories? Trois catégories, oui. Trois catégories. Enseignement, médias et puis associations. Super. Bon, les numéros, ils sont là à l'écran. 90 10 32 07 90 16 26 ouais. Super, c'est clair. Comme il dit, c'est dans celui qui parle des métiers bizarres. Comme il dit, c'est de la partie pour un enseignement de qualité. Je m'engage, je m'engage. Balade, il faut que tout le monde s'engage très longtemps depuis les origines. Balade, très longtemps pour un enseignement de qualité.
C'est super, félicitations. Merci. Et puis, Fimé, est-ce qu'il y a rapidement quelque chose à dire, mais tout est dit. Rendez-vous le 27 décembre à la maison TV5 Monde, non loin du lycée technique d'Adi Dogoré. Joyeux Noël à tout le monde. Ouais, Joël. Merci, Joël. Donc, c'est un vendredi ou un samedi? C'est vendredi. C'est un vendredi, le vendredi après Noël. Oui. J'espère que vous serez là. T'inquiète. Merci. Voilà. Et la bonne ambiance va continuer là. C'est clair. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur. T'inquiète, faut qu'on a dit ça. Mais t'inquiète. Soke Ati Reka, initiateur donc de la soirée des professeurs leaders. Félicitations pour votre initiative. Moi, tout ce qui touche à l'éducation, ça me touche aussi. C'est la base. Et c'est top. Ouais. Passez un joyeux dimanche. Merci. Et Noël, Joël. Joyeux Noël aussi. Joyeux Noël à vous. Et à tout le monde, à tous les élèves, à tous les enseignants. Allez, les amis, il faut qu'on souhaite un joyeux Noël aux téléspectateurs parce qu'on ne va pas se voir d'ici Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Voilà. Il n'y a pas de chansons spéciales. Allez, mardi. Joyeux Noël, tout le monde. Je ne sais pas si mardi, lui, c'est le réveillon. Si on aura la rediffusion, on va se préparer pour. On va se préparer peut-être à la rediffusion de l'émission mardi nuit. Et puis voilà, joyeux réveillon, soyez très prudents. Il y a des numéros pour vous aider, pour les chauffeurs éventuellement. Mais ce n'est pas une raison d'aller vous bourrer également parce que l'alcool ne fait pas toujours du bien pour votre santé. Soyez très prudents, roulez avec moins de vitesse. On veut vous revoir samedi prochain. On veut vous revoir tous les samedis, tous les dimanches en direct sur la TVT. Au revoir, chers amis. Passez un bon dimanche. Bye bye.